Thank you Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine sous la neige pour certains. Euh, J'espère que vous en avez profité. Parce que nous, il n'y a plus rien, hein, c'est mort. Hein. Euh, c'est euh, vraiment. Euh, ça a été 10 minutes quoi. Bref, euh, bonjour, il y a déjà du monde sur le chat. Euh, salut Manuel qui est arrivé, mais genre. Elle... Euh, Ennemi, quand ça fait une demi-heure qu'il est derrière, il est au taquet. Salut Manuel, salut Yonier, euh, bienvenue à toi. Salut Atoll, Dev, Force Man, Gros Louche, Boubou Bouboupouette, Boubou Salut Toto, Frey le Cascadeur, Mr Friday, euh, Jivarto, Artaud, Fan Fanlou. Voilà, vous êtes, vous êtes à fond là déjà. Euh, ce soir ça fait plaisir. Stream qui vous fait aimer le dimanche soir. <laughs> c'est vachement bien le dimanche soir, je vois pas de quoi vous parler. Euh, bon, alors écoutez. On a du taf. On a du taf ce soir euh, parce que euh, je, je pense que la musique est un peu forte. là, euh, On a du taf ce soir euh, parce qu'on va essayer. Le programme de la soirée, c'est d'essayer de fabriquer un petit robot avec les, euh, les moteurs là qu'on a euh, bricolé là depuis, euh, depuis deux semaines. Et ben pour le télécommander et puis euh, et puis voir en fait à quelle vitesse ça va. Euh, si c'est manœuvrable, si ça dérape pas trop, bref, tous les trucs qui vont nous permettre derrière de euh, continuer en fait le design de notre robot de combat pour la Maker Fight. Et du coup. Euh, bah, euh, voilà il y a plein de choses à faire il y a de la découpe laser il y a du fricade euh, il y, euh, y a un peu de câblage mais euh, câblage c'est du branchement hein, c'est pas euh, c'est pas non plus euh, du câblage comme ce qu'on a pu faire la dernière fois euh, bref il y a un peu de montage tout ça tout ça donc moi ce que je vous propose c'est euh, bah, de commencer euh, directement et on va commencer peut-être par le retour de ce que j'ai déjà fait cette semaine. Parce que j'ai préparé un petit peu pour pas que ce soit vraiment. Euh, ça dure euh, de 18 heures. Parce que sinon ça a été compliqué. Il y aurait eu des impressions pour rien faire. Bref, il y, y avait un peu de taf. Donc on va commencer par ça. Il euh, n'y aura pas de récap. Parce que justement, il euh, y, y a pas mal de taf. Et que j'ai quand même envie de faire pas mal d'essais. Euh, donc on est, on est parti. Allez, go euh, et puis il y a du bientôt Barba sur Netflix. Euh, bah, si Netflix fait du direct, moi je, je veux bien. Moi il y, y a pas de problème. Il neige à Nancy encore. Ah, bah écoute, euh, j'espère que euh, ça va pas être trop compliqué. Alors c'est bien la neige, tu sais jamais. Tu, vois, tu te dis euh, oh, c'est chouette, et puis après c'est compliqué. Non, bon bref, euh, quoi faire avant confinement exactement euh, Il va falloir que je fasse quelque chose. Et alors, en fait, c'est pas tellement qu'ils sont longs. C'est que cet après-midi j'ai bricolé dans le garage et j'ai eu un bonnet. Du coup ils sont tout plats. C'est n'importe quoi, vous voyez C'est vraiment horrible. Bref, euh, salut Historicode. <laughs> salut Edric, Roquetel. Je viens que pour le récap, en <laughs> gros. Désolé, Yonner. Non, il n'y aura pas de, récap, euh, pas de récap ce soir. On... Mais par contre, il y aura pas mal d'autres trucs. Quand même, quand même, quand même. Allez, c'est parti. On passe côté atelier. Hop là. Attendez, je vais juste mettre la musique. Salut Bobico alors, regardez-moi, regardez-moi tout ça, regardez-moi tout ça, tout ce qui a été fait cette semaine. Alors, euh, ça, c'est ce qu'on avait fait euh, la semaine dernière. Oh, merci, Rocketel, pour ce resub pour deux mois, c'est super. C'est super. Merci d'avoir lâché ton prime ici, merci beaucoup. Euh, ça c'est ce qu'on avait fait il y a deux semaines, euh, donc euh, non il y a une semaine pardon, donc pas, euh, pas grand chose de plus avec euh, du coup le, le câblage et le test des moteurs et puis euh, le blocage euh, de euh, la, la boîte à engrenage, voilà donc ça ça ne change pas et ça c'est ce que j'ai fait, ah oui, c'est pas fixé forcément, et ça c'est ce que j'ai fait euh, cette semaine en prévision du live d'aujourd'hui euh, bah, en fait, salut Rosalind alors, qu'est-ce que c'est en fait eh C'est notre roue. C'est la roue euh, que j'avais montrée un peu euh, sur Twitter. Euh, et euh, de quoi elle est composée cette roue eh bien, On va voir ça tout de suite. J'ai tout ça. Elle est composée bah, de son pneu. Il y a un pneu de skate électrique euh, que j'ai euh, eu sur AliExpress. Un ne coûte pas cher, qui doit coûter 9 euros. Et il euh, y a déjà les liens dans les, euh, dans les lives précédents. Et d'un. Euh, d'une jante en impression 3D. Et alors cette jante, elle m'a posé quand même pas mal de soucis. C'est-à-dire que, euh, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'impressions 3D euh, faites en, en euh, orange euh, depuis euh, le début de ces épisodes sur euh, les, euh, les moteurs. Le problème, c'est que j'imprime en euh, 1 mm, avec une buse de 1 mm, comme je vous l'avais déjà, euh, déjà dit. Et euh, j'ai voulu faire des pièces un tout petit peu plus remplies et un peu plus solides euh, pour faire des essais. Et j'ai eu plein de soucis. Alors commencer par le commencement déjà première chose euh, j'avais imprimé l'intérieur donc je savais que ça fonctionnait ce que j'ai fait c'est que quand j'ai reçu euh, les pneus j'ai imprimé uniquement l'extérieur donc en 10 minutes pour voir si euh, ça se euh, positionnait bien dans le pneu donc ça c'est cool Presque des années 60. <laughs> Salut Isotope, train épi dans la boîte, exactement, train épi dans la boîte qu'on a bloqué la semaine dernière. Salut Fernand euh, ML MLO. MLO. Euh, donc ça, ça a marché, ça, ça a marché, et ben du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on envoie, on imprime la pièce finale. Sauf que euh, voilà, j'ai essayé d'imprimer avec du gyroïde à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que quand on imprime en 1 mm, en tout cas moi sur ma machine, l'impression en fait du, du, de, de, du remplissage à l'intérieur est toujours un tout petit peu plus surélevée par rapport euh, à, à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est dû au flux, j'ai essayé de, de faire pas mal de réglages, etc. Et j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de, 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 de constant et de bon. Euh, et finalement, je me suis... Euh, bah, en fait, la, la buse, elle a heurté... Contre plusieurs fois l'impression, ça s'est décalé. Donc j'en ai fait une, deux, trois. Il y en a d'autres qui, 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 qui emmerdaient euh, beaucoup plus rapidement. Et au final, j'ai plus eu de bobines de. Euh, et celle-ci n'était pas bonne. Euh, et j'ai plus eu de bobines de orange. Et donc du coup, j'ai dû le faire en bleu. Sauf que le bleu, c'est notre bobine haute couleur, haute fabricant, et la température était vraiment pas bonne, ce bleu, je n'arrive pas à l'imprimer, c'est du bleu de chez BQ, qui est pourtant le, le modèle de, de mon imprimante, et du coup, ça a fait plein de bulles, c'est dégueulasse, mais ça fonctionne, c'est dégueulasse, mais c'est solide, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, euh, Voilà, ça a marché, et du coup, ce truc-là, boum, voilà, on le fait rentrer dans le pneu, et on a une, quasiment une roue, quoi. Salut Trajectory Alors, du coup, maintenant, tout ça, euh, on va le dégager. Je vais le jeter, quoi, carrément. Plein de bulles humides. Mais non, 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 en plus, je, je, je viens de l'utiliser, en fait. Mais j'avais déjà utilisé une bobine de, de chez BQ en bleu. Et, et, et le noir, impeccable pour l'impression, mais le bleu, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, J'ai un delta de température entre cette impression-là et euh, le bleu euh, de quasiment 25 degrés, là, sur les dernières impressions, et ça continue de faire de la merde. Comme ah ben Si en fait c'était euh, trop euh, comment euh, c'était trop chaud encore, c'est très très étrange. C'est très très étrange. Ce, 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 mais je pense que c'est le plastique, hein, honnêtement. Parce que si je prends un autre plastique, j'ai pas ce problème là. Mais bon, en soi, on s'en fout, c'est pour ça que j'avais mis une buse de 1, c'était pour faire des impressions rapides, parce que là, il euh, y en a pour 40 minutes en fait d'impression, donc ça va très vite. Euh, Quoique non, celle-ci, elle est remplie. Il euh, y en a pour 1h20. Voilà, donc du coup, euh, ça va quand même super vite. Euh, par rapport à une impression classique, donc c'est vraiment ça que je cherchais, je ne cherchais pas à avoir quelque chose de euh, très euh, joli. Ensuite, j'ai reçu, ça c'est cool, je ne sais plus si je vous l'avais dit en fait, euh, la semaine dernière, je ne sais plus quand est-ce que je les ai reçus ces écrous du coup, moi enfin, j'ai un doute, dans le doute. J'ai bien reçu mes nouveaux écrous, euh, 3 8e UNF, euh, 24 UNF, voilà, qui vont... Hop. Pas à gauche qui vont sur l'axe des perceuses, euh, axe standard, quoi. Alors, du coup, ça se visse dedans, c'est impeccable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis en fait parce que c'est un peu long à faire. J'ai déjà inséré l'écrou dedans, oui, parce qu'en plus, le problème c'est que le bleu, du coup, mes dimensions sont pas bonnes. parce qu'il faudrait que je recalibre toute ma, toute ma bécane avec ce plastique, mais comme c'est un plastique de merde. Je vais le dégager, donc euh, voilà, on ne va pas trop se poser de questions. Et maintenant, on a ça. Hop. Ça peut, en théorie, se fixer. Enfin, pas en théorie, hein, c'est normalement. Je l'ai pas fait, mais bon. Voilà. Tant que ça se prenne dans le filet, voilà. Ça vient se visser sur mon moteur. Et à l'intérieur, je vais venir mettre ma vis avec mon pas à gauche et un petit, euh, une petite rondelle. Voilà, et alors là, du coup, là, à l'intérieur, on va avoir ça, la rondelle avec la vis, et puis à la fin, il bah, n'y aura plus qu'à mettre les deux roulements, et puis ça, ça sera fixé sur l'extérieur du robot. En tout cas, c'est l'idée. Nous, ce soir, on n'aura pas besoin de ça. Par contre, j'ai besoin de finir, en fait, euh, cette partie-là, pour éviter en fait, tout simplement, que euh, bah, mon pneu s'en aille, euh, au final. Euh, donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'il euh, y a des inserts à mettre. Chouette, des inserts euh, Et, euh, alors, normalement, c'est des euh, trous euh, euh, taraudés, pour des, euh, des TFHC, des têtes fraisées. Euh, comme là, j'en ai pas forcément besoin, je vais mettre des têtes bombées euh, pour ce soir. Parce que, euh, en fait, je vais, sinon je vais faire du bruit, je vais faire de la poussière dans tous les sens. Euh, c'est pas très important, donc... On va plutôt faire tête bombée et puis on va faire les inserts, bien sûr. Je vous ai gardé les inserts pour le live de ce soir. Parce que je sais que vous adorez ça. Et c'est moi, votre dada. Ça manque de LED histoire. Il y a des LED, euh, j'ai des LED hein, pour, euh, que je peux piloter euh, avec ma, ma radio commande, mais euh, ça sera plus tard. <laughs> euh, 11 minutes le point insert, mais bien sûr, bien sûr. C'est obligatoire, Jivarte tu le sais. Euh, salut l'arme Neo89. Salut Ismaël. Et des ventilos, exactement. Only fans, comme dirait euh, Néodym. <laughs> Ah, ouais, mais tout le monde se rejoint partout, euh, Trage. En fait, tout le monde se connaît. C'est un petit monde, le, le monde du, euh, du do it yourself sur, euh, sur, euh, sur Twitch. Je dis ça sans rigoler, hein. c'est vraiment un petit monde. Hein. Vous allez voir, ça va aller très vite. Hop Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, euh, on va voir un peu comment agencer euh, les, euh, les, les éléments. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser, parce que j'ai fait aussi d'autres petites impressions. Euh, et, euh, et ce qu'on fera également, euh, c'est que du coup, on va découper la plaque d'essai de, dont on va se servir ce soir, justement pour euh, faire nos branchements, euh, essayer euh, si euh, voilà, le robot euh, va le faire rouler. Quoi. Voilà, on va le faire rouler, c'est l'idée. <laughs> les gens se, se congratulent sur les lives, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le bon esprit. Il faut vraiment que je mette à jour mon, mon comment dire, ma liste de, de, de streamers là en dessous, là, parce que je ne l'ai pas mis à jour depuis longtemps. Et, euh, et c'est bien parce qu'en fait, de plus en plus, il y a des gens qui viennent euh, faire du euh, DIY, de l'électronique, euh, du, euh, du Node Red, <laughs> euh, mais en tout cas du bricolage euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, du contenu français et ça ça fait vraiment vraiment très très plaisir euh, en, on en parlait avec cabri et c'est vrai que lui quand il a démarré il me disait que bah, il était quasiment euh, enfin, pas tout seul mais en tout cas euh, il y avait peut-être un peu de monde j'ai l'impression en tout cas là, ce qu'il disait et que là depuis euh, quelques mois alors peut-être c'est le confinement euh, les différents confinements ou autres qui ont fait ça bon. des 10 on en des 8 euh, mais en tout cas il y a de plus en plus de gens qui viennent et ça ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir. Nadred, <laughs> j'arrive au bon moment, ça me <laughs> En fait, le gars, il a, il a, il a une antenne maintenant. Tu, tu, tu parles de Nadred, euh, quoi Tu parles de LED, il arrive. Tu parles de ventilateur, maintenant c'est fini. Alors si tu, si tu mixes tout, euh, c'est mort, quoi. C'est mort. C'est vrai, il y a une bonne dynamique, effectivement, euh, gros louche Exact. Salut Néodyme, du coup. <laughs> Et allez suivre la chaîne de Néodim. Oui, merci, Lord Neo. Effectivement, ai, ai, alors je passe très rarement sur Facebook. Je suis désolé. Euh, je crois même que je n'ai même plus de news sur Facebook. C'est vraiment pas C'est vraiment un un réseau que sur lequel j'ai vraiment beaucoup de mal euh, mais de temps en temps je regarde et j'ai vu que tu m'avais envoyé ça et, euh, et c'est vrai que c'est très impressionnant hein. euh... mais c'est des petits robots qui vont très vite les robots sumo là quand c'est vraiment des, des, des grosses compétitions il euh, y a quelqu'un qui fait la coupe de France de robotique et qui m'en avait un peu qui nous en avait un peu parlé sur sur le Discord euh, en disant que ouais il mettent des, des des moteurs qui sont très puissants euh, parce qu'en fait, euh, ils utilisent aussi euh, des aimants pour se plaquer au sol. Enfin, euh, c'est vraiment une des épreuves de vitesse. Il y a, il y a vraiment des trucs incroyables qui se font du coup sur, euh, sur ce genre de robot. Ça, vous voyez pas trop, vous voyez ma main là. Mais, euh, mais c'est plutôt, euh, plutôt cool, quoi. Sur la section DIY surpassera le just chatting. Ouais, oh, j'y crois pas, hein, parce que le just chatting, il est déjà euh, énorme, quoi. Salut, Frika de France c'est vrai ouais, que ça un petit... On est quelques dizaines, mais... on serait des centaines. <laughs> Salut Shooter D'ailleurs, ce projet avec Monsieur Bidou, c'est en discussion, mais le problème, c'est que euh, on voudrait qu'il y ait une partie, euh, je vais pas sans, sans spoiler, mais on aimerait bien qu'il y ait une partie aussi en, en pas en distanciel, du coup pas que du live. Euh, mais le, le souci, c'est qu'aujourd'hui et même encore plus, je pense la semaine avec ce qui va se passer la semaine prochaine, ce sera compliqué quoi en fait. Donc, euh, donc bon, on réfléchit, on réfléchit à euh, ce qui pourrait être intéressant de faire. Donc là, ouais, je, je, je le dis pas, mais en fait, j'ai mis les vis, j'ai mis la plaque en acrylique que j'ai découpée au laser, et là, je suis en train de visser la vis. Donc, voilà, c'est une vis pas à gauche, je le répète. Donc là, je vais dans le sens vers la gauche. Pour pouvoir euh, non, oui, c'est ça, vers la gauche, pardon, pour euh, pour serrer, au contrario euh, d'un pas à droite standard. Voilà, Et là, du coup, boum, ça marche. Ouais, je, moi, je suis très, très, euh, j'ai vraiment peu d'espoir que euh, on se fasse pas euh, re, euh, euh, comment dire, euh, reconfiner. Hein. Je pense que c'est mort, donc euh, bon on verra les conditions, mais du coup, dans tous les cas, euh, vu ce qui se passe en ce moment, que les labs sont ont du mal à ouvrir, que les lieux publics aussi, qu'il faut limiter aussi les, euh, les, les échanges, ça peut, ça peut être un petit peu compliqué. J'ai euh, C'est -ce <laughs> incroyable, t'as vu hein. Super de robot euh, fait à partir de LED et de manche à balai. Je connais un fournisseur. <laughs> j'ai vu que vous aviez échangé sur ça. M'a fait marrer quoi. Les gars, euh, ah, mais tu vas chez Action. Euh, moi j'ai testé euh, le, le manche à balai euh, de 10 mm. Euh, il est quand même pas mal, euh, mais euh, quand même euh, les LED et tout, c'était euh, <laughs> vraiment euh, stratosphérique. <laughs> c'était assez génial. Merci Red Bird Bienvenue à toi. Euh, quel intérêt du pas à gauche pour tes vis euh, isotopes euh, en fait, le principe c'est que là je viens visser ma roue pas à droite et je viens visser une contre-vis dans l'axe pas à gauche. L'idée c'est que du coup, quand, y a, euh, côté, quand qu il y a un effort d'un côté, quand je tourne et qu'il y a un effort d'un autre côté, ça évite que la roue se desserre en fait. Parce que ça, c'est les moteurs de perceuse et c'est exactement le système qui est utilisé dans les perceuses pour éviter que quand tu forces d'un côté, bah, ton, ton truc il se bat. <laughs> et pareil quand tu euh, quand tu, 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 tu desserres quoi. Un robot avec un ancien robot aspirateur, c'est marrant aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est très drôle. Alors là, on va faire un peu de bruit, on va tester, voir si ça tourne droit, voir s'il n'y a pas de problème. Donc là, je l'ai branché euh, sur mon Aline, donc je suis en 12 volts. Donc on va envoyer patate, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça tombe pas mal, hein Ça tombe pas mal. Hein. Ça fait assez peur. Hein. Bon, super. Et eh ben du coup, on a deux moteurs qui fonctionnent. Voilà, ah c'est génial là, ah, ça, là c'est du gros, là. Euh, quand tu accélères la roue ne se dessert pas, oui voilà c'est ça, exactement, puis quand il y, y a un effort quoi aussi, euh, passer dedans quoi, c'est pour, 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 le moment, ouais, c'est clair, ouais. hey, tu sais que tu dis ça gros louche, mais euh, euh, tout à l'heure on s'est dit que on, on, on fait toujours nos courses euh, en début de semaine, et, euh, et là on a commencé à aller regarder euh, pour faire un drive, et... Euh, plus de bouteilles d'eau euh, plus de boîtes euh, de légumes euh, plus de, fin, des trucs un peu, un peu standard qui se tiennent longtemps enfin euh, c'était euh, tout avait été euh, dégagé et euh, le drive chez qui on va alors que la semaine dernière c'était pas le cas là maintenant ils sont en sans contact c'est à dire que tu sors plus de ta bagnole et c'est eux qui rentrent en fait et ça c'était comme ce qui s'était passé lors du euh, premier confinement donc tu vois que ça commence à circuler, qu'il y a des trucs que, sur lesquels nous, on n'est pas trop au courant, mais, euh, mais je pense qu'il y, y a eu déjà des directives et il y a déjà des choses qui vont se passer. Quoi. Donc, euh, je, je pense vraiment que ça va être chaud. Quoi. Ah, d'accord, ok. Moi qui travaille comme vendeur en magasin, je ne connais pas. Ouais, bah oui. C'est ultra silencieux c'est ton osgate Ah, vous n'avez rien entendu Mais non. Vous êtes sérieux Attendez, je vais le remettre. Essayez de faire tourner les inserts. De faire tourner les inserts Pourquoi tu voudrais faire tourner les inserts Ouais, mais tu vois, tout s'accélère, quoi. Tu sens que c'est plus, plus, euh, plus la même chose que euh, la semaine dernière, quoi. Là, il euh, là, y, a, y a un truc qui est imminent, quoi. Bon, on va pas aller. Euh... Sur cette truc là. Hein. Alors, vous dites que vous n'entendez rien Ah, c'est incroyable. C'est fou parce que ça fait du bruit. Hein. Non, je vois sur les niveaux, j'avais pas fait gaffe. Ah putain, mais c bah oui, c'est le noise gate, ouais. Euh, c'est le, le nouveau truc, c'est le nouveau noise gate là, le nouveau filtre qu'ils ont mis dans OBS là, qui est très très bien. Euh, et alors là, je suis, je suis sur le cul. Hein. Euh, effectivement, ça fonctionne. Enfin, je pensais pas que ça fonctionnait à ce point-là parce que le micro il est là quand même. Enfin hein. euh, voilà, il y a, y a quoi Il y a. Euh, allez, euh, 40-45 cm quoi. Euh, donc euh, c'est euh, assez fou. Hein. Ok, bon bah c'est très bien ça. C'est vraiment cool. Ah, ça, alors là, pour le coup, le Nosegate, ça aidera pas trop les streamers qui font du, du jeu vidéo. Ah, par contre, nous qui faisons des conneries avec des moteurs et euh, plein d'autres trucs, alors ça, ça va vraiment nous aider quoi. Donc, je, suis, je, suis, je suis vraiment surpris là. Oh, super Rester coincé à la maison. Ouais, en accélération, ouais. Ok, d'accord. C'est génial quoi. Ah mais c'est. Ah oui, pour les stations air chaud, mais grave Ah ouais, bah t'as as raison, toi qui fais de la soudure. Ouais, forcément, quand je parle, à mon avis, euh, bah, il doit limiter euh, ce, le, 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 le bruit. Euh, qui, qui est constant de toute façon, c'est un peu comme ça qui doit, qu doit fonctionner, mais, euh, mais du coup, ma, ma, mon truc est pas, euh, est pas, est pas bloqué. Quoi. Euh... Merci Psychina77, bienvenue à toi. Qu'avez-vous On fait <laughs> tourner la Le maître des LED est là. Eh ouais, t'as vu <laughs> le, le, le maître du euh, duo du rouge est là. Alors, on a notre petit machin là au milieu pour écarter un peu euh, nos moteurs. Et qu'est-ce qu'on va avoir besoin de mettre pour pouvoir faire fonctionner tout ça et pour pouvoir tester euh, ça euh, ce soir bah Déjà, première chose, il va nous falloir une batterie. Voilà. Donc, batterie, nous euh, qu'on utilise, euh, c'est du lipo. Euh, comme ce qu'on utilise d'ailleurs pour les, la Coupe de France de robotique. Là, la différence, c'est qu'on est toujours sur du, du tatou. Euh, c'est une toute petite batterie, celle-ci, euh, 1800 mAh. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment rien du tout. Euh, par contre, le taux de décharge est vraiment intéressant. On est sur les 45C, c'est des trois cellules. Donc 11V1 quand c'est déchargé, un plus de 12V quand c'est chargé. Donc là, hop, même beaucoup plus que 12V quand c'est chargé. Donc là, hop, on les remet dans leur sachet. Alors c'est pas obligatoire, mais en vrai, Plutôt pas trop mal de toujours laisser vos batteries dans les sachets, ça vous évite de l'oublier quand vous rechargez. Et de toute façon, nous, comme à la coupe, c'est obligatoire d'avoir les batteries dans des sachets dans le robot. Euh, bah, toutes nos batteries sont dans des sachets individuels. On va mettre un testeur de batterie pour voir à combien on est chargé d'ailleurs. Ça, c'est toujours le la blague, dans quel sens. Alors, trois cellules. 12-3, on est bien. Voilà, ouais, Les cellules sont à 414, 412, 4, 4, 406, impeccable. Donc j'en ai deux qui sont chargés comme ça. Donc ça sera impeccable. Pont H. Non, on ne va pas utiliser des ponts H. Enfin, en soi, si, c'est un peu des ponts H. Mais... Euh, qui tient d'un coup bon, je... Ah oui, 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 oui. Le sachet, c'est pour l'incendie. Bah oui, c'est ça. En gros, bah, en fait, le, le risque que tu as, c'est quand tu les charges surtout. Euh, donc, euh, dans tous les cas, quand tu charges une batterie, tu la mets dans, dans un sac. Euh, ça c'est obligatoire. Euh, maintenant, dans un robot, effectivement, ça peut éviter un certain nombre de choses, euh, notamment effectivement les incendies. C'est-à-dire que si jamais il se passe quelque chose, et eh bien du coup, euh, le feu en tout cas, va être, euh, enfin, euh, la, la, la batterie va être euh, comprise, comprimée dans son sac. Et donc, il ne va pas se passer grand-chose. Elle va gonfler. Ça, c'est sûr. Elle va prendre du volume. Euh, mais ça va limiter les risques d'incendie. Effectivement. Ça va faire beaucoup de fumée, par contre. Hein. Euh, alors... Ça change quoi que ce soit dans un sachet lors de la charge Bah, ben, la même chose. En fait parce que pendant la charge tu es dans un cas où potentiellement euh, si jamais il se passe quelque chose de mal si jamais il y a des cellules qui sont déséquilibrées ou autre euh, ou que ta batterie est endommagée et ben que ça prenne feu sauf que souvent le problème c'est que quand tu es dans un euh, système un petit, une voiture radiocommandée un, un avion n'importe quoi euh, voilà euh, ta batterie elle prend feu machin ton truc est loin voilà donc il ne va pas se passer grand chose quand tu charges une batterie en général ton chargeur il est là toi, tu charges là-dessus, souvent sur un truc en bois. Donc, tu as toutes les chances que ta batterie, en fait, si elle prend feu, elle prend feu déjà chez toi, dans un endroit qui est clos. Et en plus, elle prend feu sur des éléments qui potentiellement peuvent aussi prendre feu. Quoi. Donc, on limite, euh, on limite la casse en faisant ça. L'hypo, c'est très capricieux. Bah, Quand c'est bien utilisé... Honnêtement, nous, on n'a pas eu, on a pas de soucis depuis qu'on les utilise. Euh, donc, ça fait depuis 2016. Euh, on fait gaffe. On a eu une fois un, un problème avec une, une lipo, mais c'était vraiment de ma faute pour le coup. Euh, deux filles qui se sont touchées. La batterie. Alors, voilà, un truc important, c'est que moi, j'aime bien euh, la marque TATOU. Je vais pas leur ouvrir. J'aime bien la marque TATOU parce qu'on avait une batterie de 6S. Donc, 6S, c'est quasiment 24 volts quand c'est chargé. Hein. Euh, et, euh, et je sais plus le taux de décharge, c'était monstrueux. Hein, c'est une batterie de drone euh, qu'on utilisait euh, dans nos robots avant. Et le, le truc, c'est que cette batterie-là, il y a deux fils qui sont rentrés en contact. Donc c'est plus ou moins de la batterie, euh, mais euh, sans, sans protection, sans rien. Quand je faisais un montage, donc vraiment une connerie de ma part. Hein. Euh, normalement, ça, enfin, du coup, ça a soudé un truc. <laughs> je, voilà, ça a soudé un truc sur le carter, une grosse gerbe d'étincelles. Mais la batterie. Tout de suite, il y avait un circuit de protection dans la batterie, batteries qui sont un peu chères, et la batterie n'a pas gonflé, elle n'a pas chauffé, elle euh, s'est mise en sécurité, elle est morte aujourd'hui, euh, je ne peux plus l'utiliser, mais on n'a pas eu de problème. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que si jamais vous prenez des batteries qui sont un peu euh, badass, prenez des batteries de marque. Enfin, franchement, euh, une batterie euh, protégée, euh, bien entretenue, euh, bien chargée correctement, pas avec des chargeurs de mer, n'est pas à l'arrache. Euh, ça vous fait des années quoi. Je veux dire, euh, donc, euh, donc moi je, je, je considère qu'il faut au bout d'un certain temps et au bout d'une du, certaine puissance pas déconner avec les batteries dans tous les cas, soit des lipo ou autre. En vrai. Du sac à batterie. Non. <laughs> non toi toi. Je fais pas ça non. Je comprends pas en quoi le sac limite le risque. Bah, en fait si tu as si as moins d'air, ça va gonfler mais ça va pas ça va pas prendre feu en fait, le sac est anti feu en fait. Si tu veux. Donc en fait, tu vas pas avoir de flammes ou un petit peu sur les côtés, mais ça va vite être maintenu et contenu en fait. C'est ça le truc. nous en fait, il est plus fiable pour faire du drone, pour la science. <laughs> Salut, Tixel Geek. Tant que tu les souffles pas toi-même, que tu oublies ça protection. Sur... Ouais, voilà, c'est ça. Tu coupes les deux fils en même temps. Putain, ça, ça m'a. m'est enfin, pas arrivé, mais j'ai déjà vu des gens faillir faire ça. Et du coup, j'ai tout arrêté parce que c'était l'enfer, C'est ça qui est dans le film de Verne, Donc. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Salut, je Bon alors du coup sac, batterie, de poêle. Euh, ce, cette batterie, ce sac, on va le mettre là. Donc l'idée en fait c'est de faire une, une plaque quoi. Que ce soir hein, juste une plaque euh, de fixer la batterie et de fixer deux ESC. Voilà donc ça ça va être mes deux supports de ESC. Les ESC on verra ça tout à l'heure. Euh, voilà les ESC c'est ça c'est ce qui va me permettre de piloter euh, mes moteurs euh, on verra ça tout à l'heure parce que j'ai plusieurs modèles à vous montrer et je voudrais d'abord faire la plaque pour pouvoir tout fixer dessus et euh, au centre on va fixer le petit récepteur pour notre radio commande voilà donc l'idée c'est de faire un truc qui ressemble à ça de se laisser un petit peu de place ici pour euh, mettre des, euh, euh, des, euh, des des colson, des choses comme ça donc pour avoir un, un câblage propre et, euh, et puis faire rouler en fait l'ensemble et puis voir ce que ça donne. C'est marrant, il n'a pas, pas retenu le message. Attention qu'il des mecs, il y en a des vrais et des faux. Ouais. Nous on est sur du SkyRC. Euh, et là je vais en je vais en racheter un pour pouvoir euh, euh, charger des batteries, euh, plusieurs batteries en même temps en fait. Pour le coup. Et le piston. Alors le piston, Mortality, on va en reparler parce que tu vas voir sur le 3D que en fait euh, on va pas l'implémenter dans ce modèle-là du robot voilà. euh, parce qu'en fait il est trop petit, beaucoup trop petit euh, pour ce qu'on veut faire. Et donc il y aura peut-être un autre modèle de robot qui arrivera plus tard, mais avec des roues beaucoup plus grandes sur le même design avec le piston. Mais là, celui-là, c'est un peu le robot troll, c'est qu'on voudrait faire un robot le plus simple possible, euh, comme ce qu'on avait fait en 2019, mais plus petit bien faire chier les gens et, euh, et ne plus ne pas avoir de d'armes de, de, mais plutôt le robot de, de secours quoi le petit robot de secours un, un peu chiant quoi en fait voilà. pas de roue avant euh, non on va frotter euh, c'est pas grave on veut juste on veut juste essayer pour le coup faut pas deux autres roues non motrices où il tiendra uniquement sur deux roues il tiendra uniquement sur deux roues essayé de mettre une sorte de machine learning sur un robot non jamais Jamais. Machine learning, c'est vraiment pas mon domaine. Euh, je suis pas euh, quelqu'un qui programme énormément. Euh, et, euh, et du coup, ça, c'est plutôt mes, mes, mes amis euh, dans, euh, euh, comment dire, dans l'équipe euh, qui font ça. Euh, moi, c'est vraiment pas euh, du tout mon truc, pour le coup. Euh, mais eux, ont déjà fait ça. Euh, pour le, alors après, j'ai très peu de retour parce qu'effectivement, comme je vous dis, ça me, c'est quelque... un domaine qui, qui m'intéresse mais sur lesquels j'ai jamais travaillé. Euh, et du coup, euh, j'ai très peu de retours. Les ESC, exactement. J'ai euh, bah, trois modèles d'ESC là. Et donc, euh, on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer un peu quelles sont les différences si jamais vous voulez le refaire chez vous. Alors, à prendre tout ce qu'il nous faut pour mesurer. Euh, j'ai déjà fait. Alors, il y a déjà une plaque qui est faite dans mon modèle. Mais on pourra peut-être la refaire. Donc l'idée, c'est vraiment, euh, vraiment, tout con. Hein. On va faire une plaque comme ça, découpée au laser. Hein. Euh... Oh merci, Crésus, mais pas trop. <laughs> merci pour le don, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Objectif faire chier les gens. Exactement. <laughs> euh... Ce qu'on va faire, c'est que, Voilà, on va le percer ici cette plaque de manière symétrique hein. le diamètre normalement je passais passer du 8 mais on va faire on va faire un diamètre de 8,5 mm pour avoir un peu de latitude voilà et ici on va avoir notre batterie et alors ce que je vous propose pour la batterie c'est tout simplement de faire deux trous oblongs ici de la largeur de la batterie euh, quoique oui non ça suffira pour pouvoir mettre deux scratchs ou un scratch juste on verra, pour pouvoir fixer la batterie. Voilà, dessus. Et pouvoir l'enlever très rapidement. Et du coup, euh, ici, il va y avoir du coup quatre trous pour pouvoir fixer le support de SC. Ah oui, je ne l'ai pas dit ça. Je vais pas vous montrer. Mais les ESC que j'utilise, même si c'est trois modèles différents, c'est trois modèles qui sont, qui sont dans des boîtiers euh, très similaires, en fait. Et donc du coup, euh, j'avais fait ces petits support de sc euh, il, y a, euh, il y a deux ans euh, et je les utilise encore en fait on vient juste clipser le sc euh, dedans voilà en force et si jamais on veut le sécuriser euh, notamment pour les combats hein, parce que là c'est des tests donc on va pas le faire mais euh, il y a deux, petites, deux petits ergots ici on vient passer un colson et du coup on vient le maintenir là ou alors j'ai des tout petits scratchs voilà qui viennent se mettre dessus et qui viennent maintenir honnêtement pour les combats les scratchs euh, on va éviter euh, parce que ça peut se descratcher. Euh, voilà, donc on va plutôt mettre des, euh, des colis. Que penses tu de la couleur Dark Salmon Peut-on se prendre une partie du robot enfin, ça... <laughs> Pourquoi pas Ça pourrait être rigolo. <laughs> ouais, je pense que Yodim, il fait un peu. Euh... Il fait de l'urticaire à la vue de cette couleur, si j'ai bien compris. J'ai pas tout suivi, les gars. J'ai pas tout suivi à ce qui s'est passé. Mais... Euh, ouais. <laughs> Donc on va avoir nos deux ESC qui vont être fixés là. Et euh, bah ça, en fait, euh, comment on va faire Parce que c'est le récepteur. Oh, le récepteur, j'ai bien envie de lui mettre son scratch aussi à lui. Voilà. Faire ça. Et alors ici, euh, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va faire nos euh, notre câblage et on va mettre plein de trous au blanc ici pour pouvoir scratcher notre câblage. Donc on est vraiment sur une plaque de base qui pourra peut-être nous servir. Mais là l'idée c'est vraiment de se dire, on veut tester quelque chose ce soir. Et on fait juste une plaque, c'est marre, et après on viendra bricoler dessus. Vous euh, voyez pas grand chose avec le reflet, c'est chiant ça. Il faudrait que je change cette caméra. Alors maintenant on va coter tout ça. Alors ça je les ai. Donc là, il n'y a pas de problème. Il euh... faut remarquer après on peut le faire. À l'arrache, en même temps euh, sur notre truc. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On va vérifier deux trois trucs. Écoutez, on va laisser notre modèle là. Ça, il est bien ce modèle là. Il est, il est, il est, il est parfait. Voilà. C'est notre modèle de, de branchement. Euh, on va garder cette idée là, comme ça, on les, euh, on l'a quand on va passer sur fecal là. Et puis, euh, puis on mesurera euh, à la demande euh, directement dessus. Bon, sachant que la plaque, ça sera du bois, voilà, euh, donc du contreplaqué euh, 5 mm, euh, comme ça c'est facilement découpable au laser, et au pire, si jamais ça merde, on percera des trous dedans, hein. voilà, on s'en fout, c'est un proto, c'est justement, euh, justement l'idée. Alors... Il y a des gens qui me posent des questions sur euh, est-ce qu'il y a une roue devant, une roue derrière, euh, euh, 10 roues motrices, etc. Je vais vous montrer à quoi il doit ressembler ce robot, parce que ça sera comme ça vous comprendrez un petit peu mieux euh, l'idée. Alors, hop, boum. Voilà. Donc on a fait un petit, euh, à partir d'un schéma, un petit euh, vite fait euh, brief euh, sur... Euh, à quoi allait ressemblait la structure Et donc, ça sera une structure en acier soudée, euh, avec des, euh, des barres, euh, donc des profilés carrés euh, creux euh, de 10 mm de côté. Donc, ils sont plus petits encore que ceux qu'on avait utilisés l'année dernière, parce que l'année dernière on avait utilisé du 15 et l'année d'avant on avait encore utilisé du 20. Donc, au fur et à mesure, on réduit la taille, parce qu'en fait, le 20 c'était vraiment tout match pour ce qu'on faisait, et le 15 en fait, enfin. Techniquement, ce n'est pas du 15, c'est du 16. Le 16, c'était vraiment gros aussi, en fait. Donc, on est passé sur du 10, parce qu'on a trouvé du 10. Et c'est vraiment très cool. Euh, donc, vous voyez, hop, les deux moteurs, l'assemblage, la plaque. Et, en fait, c'est cette plaque-là qu'on va faire ce soir. Sauf qu'on n'aura pas le châssis et on va faire rouler ça sur la plaque. Voilà. Donc, vous avez votre question. Euh, et... Euh de, de ce que ça va ressembler. Enfin, si tu mets un filtre polarisant pour ça pourrait peut-être virer le reflet. Ah, c'est pas comme ça. C'est vrai que je pourrais adapter des... Euh, on pourrait faire un petit live comme ça pour adapter des objectifs sur cette caméra. C'est une toute petite caméra j'avais eu à 9 balles euh, dans, un, dans un truc, dans un oui boui de récup. C'est une, une seconde main. Mais elle fonctionne bien. Une action cam, euh, très très cool. L'annoncer, c'est un, un, un de contrôleur, ça sert à piloter le moteur. Oui, exactement, Je ne sais pas qui a posé la question. Euh, mais euh, oui, c'est ça. C'est euh, euh, un, un élément, c'est un driver qui est plutôt dédié pour le, le RC. Mais c'est vrai qu'on verra ça plutôt tout à l'heure. Mais, euh, mais dans le monde du RC, c'est là-dessus que tu as branché ton moteur. Qui a, ce, ce, cet ESC va être branché à ton récepteur euh, sur une voie. Et tu vas piloter, du coup. Euh, l'action du moteur en actionnant une voix euh, de, euh, de ta euh, radiocommande. Euh, ça, c'est la manière euh, très simple. On verra d'autres euh, idées aussi euh, à partir de ça. Des idées, c'est de Souvent euh, Cabret. Ouais, mais on mettra du poids. C'est un proto. C'est un proto. Euh, Est-ce que tu as vu Psychotron euh, alors, c'est quoi C'est la, la saison 2020 Je me souviens plus. Euh, envoie un petit lien d'une photo que je puisse regarder. Euh, mais euh, parce que là, euh, je me souviens plus. Ah oui, non, tu parlais de, de ça, Totoff. Non, alors, en vrai, euh, le poids il va être à ce niveau-là, plutôt. Voilà. Euh, donc tout ça, ça sera euh, cartérisé, bien évidemment. Du point, on pourra en remettre là. Et ici, c'est des plats en acier de 4 mm de chaque côté qui seront après euh, re retravaillés à la meuleuse. Et, euh, et en vrai, euh, non, t'inquiète pas qu'il ne va, va pas bouger, euh, il va pas se cabrer, je pense. Enfin, j'espère pas. Mais du coup, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on fait ce test là ce soir. Parce que les précédents robots qu'on avait, euh, c'était des, euh, des. Comment dire euh, Soit on faisait une traction à chaîne, soit on faisait une traction à courroie voilà donc on avait un étage de réduction en plus parce que les, le robot était plus grand là je sais pas ce que ça va donner en termes de vitesse etc peut-être que ça va être too much peut-être que ça n'aura pas d'effort peut-être que ça va être bien j'en sais rien du coup c'est pour ça qu'on teste alors je vais dégager euh, la structure qui pas la structure définitive et on va repartir de cette plaque là euh, quoi qu'on va peut-être la refaire on va la refaire parce qu'il y a un petit machin là euh, qui nous sert à rien nous toute cette arrière-là ne sert pas à grand chose. Ouais si on va la refaire. Ouais, bah, on va repartir de ça. Alors, euh, on va créer... Oups. Une part. Ah merci, Flu. Euh... Alors attends. Je vais regarder. Alors ah, c'est une... Euh... Ah c'est une vidéo, je peux pas Je peux pas la. Psychotron, c'est celui en pente, c'est ça Oups, attendez, je vous ai perdu. C'est celui en pente, euh, Flu euh, Psychotrope Parce que celui-là, je crois que je l'avais déjà vu. Le problème de Psychotrope, c'est qu'il a les roues... Euh, euh, comment ah, ça, je peux, je peux quand même vous montrer, mais... J'ai toujours peur de me faire strike maintenant. Hein. Voilà, donc très rapidement. Voilà. Il a les roues avec une pente, mais il a les roues euh, à nu, en fait. Pas protégées à l'intérieur, et ça, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, tes roues, c'est vraiment le, la seule chose qui fait la différence entre un robot qui peut encore bouger et du coup, peut faire encore des choses et un robot qui est mort parce qu'une euh, de ses roues est partie, en fait. Euh... Attends, il faut que je me concentre, là. Qu'est-ce que je fais Yes. Nickel. Et alors, du coup, je vais prendre ça. Je vais... D'accord. Très bien. Bon, bah, on va en faire trois, hein. Ok et on va dégager le Pourquoi j'ai pourquoi ça arrive ici non Attendez Ricade ma 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 là je voulais pas me mettre dans le bloc moteur D'accord, pourquoi il veut pas? Hein ouais. Sans de la toi. il me le sélectionne et ça m'embête. Bah oui, j'essaye. Mais il me le met absolument dans bloc moteur. Je sais pas pourquoi il veut absolument me le mettre dans bloc moteur. Attends. Ne pas tenir compte. Oui, oui, oui. On va le redémarrer. Parce qu'en fait, il me sélectionnait deux parts. J'avais deux parts en gras. Je sais pas ce qui s'est passé. Salut à me suivre du coup <laughs> Oui c'est en coin-coin. Ah il s'ouvre comme ça du coup D'accord, ok. Une petite musique au taquet avec la lime à fond. Ah, je l'ai fait. Euh, euh, bah, T'étais pas là, Fredo, je l'ai fait. Euh, 500 tours minutes. On pourra le refaire tout à l'heure. Clic droit et activer. Ah, clic droit et activer. Bien vu. Bon, de toute façon, là, il n'y a rien qui est sélectionné. Bon, voilà. Là, ça va remarcher. Et clic droit et... Euh... Activer, ouais. Activer, et désactiver la pièce. Ok. C'est rigolo ça. Alors, on va mettre plaque test. Hop. Cette plaque test, on va, euh, on va quand même activer le bloc moteur, du coup, parce qu'on a quand même besoin pour faire... Voilà. Ah ça il aime pas, d'accord. Ok. Ah il veut pas parce que c'est des. Ah oh, ça va être chiant ça. Il veut pas me faire un shut binder. Alors du coup, s'il veut pas me faire un shop binder, il peut me faire un. Ah ok d'accord. Un binder quand même. Ok. Ok on va s'en sortir. Très bien. Voilà impeccable. Alors par contre là. Euh, il faut que je fasse un plan. Ok. Et là. C'est bon, je suis dans le bon fichier et dans le bon machin. Ok, très bien, on va s'en sortir. graphique, On va dégager ça. Merci loutrieuse, Bienvenue à toi. Euh, hop, j'ai besoin de ces éléments-là. Fais un pas, un. ok, d'accord. Euh, oui, c'est un entre les deux moteurs qui te protègent électriquement. Euh, elle sera posée juste. Après, je peux la, je peux la, je peux la coller. Hein. Euh, là, euh, en l'occurrence, pour moi, dans ce cas-là, euh, comme c'est un test, il n'y aura pas trop de problèmes. Je peux mettre un morceau de double face, ça suffira euh, largement. En fait. euh, Peut-être que plus tard, il faudra euh, penser à la visser ou autre. Mais, euh, mais on n'en est, euh, est pas là pour le moment. Mais oui, tu as raison que là, pour l'instant, elle est juste posée. Ce qui n'est pas bien. Parce que euh, en combat, euh, forcément, ça bougera. Alors, boum. 5. Ah, c'est drôle ça. Oui, parce que c'est le chanfrein. Oui, c'est le chanfrein, effectivement, que j'ai pris. Euh, alors, par contre, le squelette, donc le robot, il est dans ce sens-là. On va, on va essayer de faire quelque chose de logique, quand même. Donc, ma plaque, on va la faire aller dans ce sens-là. Hop là. Euh, on va réduire les besoins de découpe. que ben, laser n'est pas grande. Voilà. Alors là, juste pour info, on va mettre une petite cote en référence. 268, c'est bon. Ici, hop, on va se mettre une autre cote. Cote. Et... 180, c'est pas mal. Voilà. C'est définitif, pourquoi pas la fusionner avec les deux supports de moteur Parce que sinon, à l'impression euh, 3D, euh, j'ai pas le bon sens d'impression des strates. Donc, je préfère euh, en l'imprimer à part et la visser. Ce qui me permet aussi de faire du, de la réparation beaucoup plus rapide. Euh, que, si, euh, que si jamais euh, je, devais, euh, je devais la. la comment ah, oh, que je devais la fusionner, du coup. Hop, on va faire ça un peu en mode porky. C'est pas grave. Encore une fois, notre but, ce soir, c'est pas de faire forcément quelque chose de propre. Encore que, relativement. Voilà. Mais surtout, faire quelque chose qui fonctionne. Alors là, on va faire tout de suite... Euh, hop. Je vais tout faire dans un sketch. Pas sûr que ce soit une bonne idée. On verra bien. Yes. On va les aligner. Voilà, donc ça, c'est les, euh, pour... euh, les trous pour... Pardon, excuse-moi. C'est les trous euh, pour le port driver. Tiens, d'ailleurs, vous voyez pas. Voilà. La prise de... Voilà. Donc ça, c'est pour euh, le port ESC. Et alors? Il a une largeur. Par contre, un pied à coulisse, ce serait bien, non? Ce serait quand même vachement plus pratique. Alors, 56 mm. Voilà. Bon, c'est pareil, ça, on aurait pu le, le percer directement sur. Euh, sur, le, euh, sur la plaque en bois, euh, sur le proto, même. on fait ça sale, mais pas trop sale non plus, quand même. Faut pas déconner, hop, voilà les câbles. Donc, ça, c'est notre ESC. Alors, on va quand même lui faire une petite boîte euh, à cette ESC. Euh, Ou est-ce qu'on s'en fout et on le met comme ça à l'arrache? Ceci, c'est que j'ai peur. Faire une connerie. Non, ça ne pourra pas le faire. 5. Alors, ça, hop. Voilà. On va le copier. Ça, en est bon. Ah, il légalise déjà. Parfait. Je J'avais pas, pas fait gaffe nickel contre on va prendre la largeur d'une boîte c'est combien allez on va mettre 50 pour avoir un petit peu de marge il aura sa pente pour attaquer le robot Alors en fait celui là c'est vraiment on est vraiment sur du robot troll quoi on fait le robot qu'on avait fait il y a deux ans maintenant et qui nous avait permis de gagner, mais qui était un robot qui n'avait aucune arme, et... et ça nous avait fait marrer, sauf qu'on avait prévu quand même de mettre une arme, euh, c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps, euh, alors que là, on ne prévoit vraiment pas de lui en mettre, et même de le faire plus petit que, euh, que, les robots, euh, que le robot euh, précédent, en fait. De vraiment en faire un, de faire un robot chiant. <laughs> Je ne sais pas si ça marchera. Euh, 4. On va se mettre un peu de large. C'est le plaisir de vous voir. Ah, c'est cool. Merci à mes suifs. Bonne nuit, bonne soirée à toi. C'est pour euh, Maker Fight, euh, les Guerres du Nord. Tu, tu fais un. Euh, la commande, c'est robotique. Et, euh, et tu peux, euh, du coup, voir les, euh, les liens vers les, euh, les concours. Au pire, ça fera un beau calporte. Un cale robotisé. <laughs> On pourra l'automatiser, même après. On appellera odor. Ce sera parfait. Euh, euh, salut Pimento! Re salut, il me semblait t'avoir vu passer, mais j'ai du rêver, alors 60 61... oula, comment je vais coter ça, bon c'est pas très grave soit on va lui mettre 8, 8 c'est bien. 10, c'est mieux. Odor, ça fait un nom sympa pour un bâtiment. Euh, là, par contre, c'est pas 50, c'est 25. C'est bon, ça En théorie, c'est bon. Voilà, clac-clac, clac-clac. Ok, de l'autre côté, maintenant, il va falloir que je fasse ma batterie. Alors, pour ça, vous vous souvenez, on s'est dit, boum, de... Deux trous au blond. Clac. Ça, on égalise. Euh, il me faut... Ah, je me trompe toujours sur cette icône, c'est horrible. Voilà. Alors, on va coter l'anthrax. Enfin, l'anthrax. Largeur de la batterie. On va prendre plus. 65. Gigantesque 65. Mais bon. C'est logique. Voilà. Là, on peut déjà coter cette partie-là. On s'en fout, on peut mettre quelque chose de, de très standard. C'est euh... dur ce soir là. 5 mm, impeccable. Par contre, pour l'ouverture. Voilà. Nickel. Du 5 mm. Je sais que j'aurais pu coter le diamètre aussi, mais je trouve ça plus logique comme ça. Et alors pour la largeur, pour 45, ce sera impeccable. Voilà. Le raccourci clavier est dis. Non, très peu. Je ne suis, suis pas très raccourci clavier. J'ai vraiment du mal. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à passer à Kikad. C'est con. Hein. Mais euh, c'est aussi une des, une des raisons pour que ça. C'est un petit peu compliqué. La euh, oblige. Ah, d'accord, ok. Ah, cool Alors Moi, je, je continue de le, de le faire, le, le Gal M6, la Coupe de France de robotique. Donc, c'est marrant, ça. Très bien. Quelle année, du coup Je pas vu, excuse-moi. Je remonte un peu. Il y a du gratin, effectivement. Ouais. <laughs> Mettre une contrainte verticale entre deux points. Oui, c'est vrai. vrai. Mais ça, c'est encore le truc sur lequel je n'ai pas l'habitude parce que c'est les choses qui sont un petit peu... Euh, euh, qui sont masquées dans notre logiciel et il faut vraiment que je le revienne. Oh là, il y a les inspecteurs fric. <laughs> ah bah oui, oui. Mais non, mais c'est bien, non hein. Ça me, ça, me, ça, me, ça me va très bien, au contraire. De toute façon, je pense que c'est en faisant euh, en live que j'ai plus appris. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, là c'est dommage. Euh, je savais que ça allait merder. Euh, et j'aurais pas dû faire ça. Je le centre en fait. Oh, on s'en fout. Mon... S'en fout complètement, 268,8. Allez, euh, de toute façon, c'est vraiment pas fait pour être beau. Donc, clairement, hop, voilà, voilà, c'est très dégueulasse. Mais c'est fonctionnel. Voilà. Je l'ai centré sur le quart droit. C'est vraiment, euh, vraiment moche. Mais, euh, mais euh, vu ce qu'on va en faire de cette plaque, qu'elle va être percée dans tous les sens, euh, ça sera très bien. Et en fait, on a quasiment fini. Euh, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste mettre quelques euh, trop blonds ici, là, euh, pour pouvoir euh, fixer notre câblage. Au cas où. D'ailleurs, est-ce que j'ai encore du scratch ouais. Si j'ai des petits scratchs, nickel, ça sera impeccable pour la suite. Euh, donc. Surtout des LED, impeccable, bah oui, obligé. 99 2000, ah ouais. Ça manque un peu de notre dans le... oui, mec. <laughs> oh ah non si, un peu peur quand même. Il manque pas le récepteur radio. Oh, je vais le, j'ai pas de support pour le récepteur radio. Ah si, on avait dit qu'on mettrait des, euh, des, du scratch, c'est ça Ouais, bah du coup on va le faire. tu as raison. Tu as raison. Euh... En fait, souvent le récepteur radio, je le, pareil, je le, je le colle au double face. Euh... Et voilà, je l'utilise. J'utilise cette contrainte, tu vois. <laughs> ah, ça par contre, euh... ça marchera jamais pour moi. je vais avoir du mal tout le temps. 5 Cinq... En plus je ne suis même pas constant avec ce que j'ai fait à côté. Euh... Hop, combien il fait Il fait 26. On va prendre 27 pour avoir un peu de marge. Quoique non, on va le mettre à 26 parce que. Parce que euh, je ne veux pas qu'il bouge dans tous les sens. Voilà. Et entre là et là, on va le mettre 25. Ça sera juste à côté. Euh, et alors, euh, par contre, euh, la largeur, ce euh, sera uniquement sur cette partie-là. donc c'est très bien aussi. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de le, de le faire rouler. Hein. Salut Quentin Lamani. La mamie, pardon. <laughs> Salut Quentin. C'est ce qui est de plus en plus chargé, on croise les deux points. Ouais, j ai, j ai, je, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Je, je me dis aussi ça. Euh, tu nous fais quoi Eh bien, je fais une petite plaque pour pouvoir tester euh, les euh, moteurs de mon robot de combat, prochain robot de combat, euh, histoire de voir un petit peu euh, ce qu'ils ont dans le ventre et euh, ce qu'on peut en faire. Donc, on est parti sur quelque chose de. Euh... Très, euh... On est très dans le prototype là ce soir. J'hésite à faire les... Attendez, vous savez quoi Fusion bon, Ça va. Ça va, ça se fait bien. Je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Euh... Écoute, ça s'est bien passé je suis assez content donc manque maintenant les euh... euh... quest ce qu'on avait dit euh, au moins deux euh, trois blonds ici pour euh, mettre un scratch si on a besoin euh, sans contrôle à S en plus t'as vu j'ai pas un euh... hein <laughs> On va sauvegarder quand même Attends Réfléchissons Est-ce que j'ai rien oublié à part ça suite là, tac 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 Il va là bon, Je vais le faire parce que je, je suis en train de me dire Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas Et en fait le temps que je me dise ça en vrai Je l'aurais je déjà fini C'est vrai que c'est vachement plus simple. Un coup. Euh, par contre, j'ai aucune donnée sur combien est-ce qu'il faut que je mette. Euh, ça va être un peu au pif. On va mettre du 15. On va garder 5 euh, pour notre. Donc, distance ici. Euh... On va en mettre... Positionner de ce côté-là. Ouais. Ouais, je peux pas attendre place que ça, alors si jamais je veux faire un, un truc pas trop mal. 10. Salut Virtual Lab, bonne soirée. Donc, quoi, c'est super stable Grave Attends. <laughs> en ce moment, c'est mes caméras qui plantent pendant le live, c'est pas, pas fricade. Alors, pour le coup. Euh... Allez, on code tout comme ça, on est en 32. De... Comme ça, on sera tranquille. Et si je reprends ça, je refais un là. Qu'est-ce que ça dit là Ouf Là, par contre, ça a lagué la là. Euh... Je sais pas pourquoi, mais. Okay. Alors, ne, franchement, euh, les codes que je fais là, c'est vraiment au pif. Hein, en vrai, c'est vraiment pour me dire j'ai quelque chose sur lequel je peux bricoler et c'est très bien. Et en vrai, c'est très bien. On va lui mettre quand même des petits chanfreins parce qu'on n'est pas des bêtes. Euh, hop, d'accord. Pourquoi je suis repassé en vue perspective C'est une catastrophe, ça. Voilà. Et impeccable. Euh, et si on veut tout à l'heure, je pourrais mettre un, un, un. On pourra visser des trucs dedans. Ça sera très bien. Alors, plaque de test, c'est good. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tech draw. normalement un A3 euh, blanc landscape nickel c'est impeccable on va prendre on va faire une vue en top ah oui par contre je suis orienté de manière un peu chelou est ce que je peux orienter ma vue par rapport à, à... C'est déjà le cas, euh, Quentin, euh, tu fais euh, ref. Ah, je ne l'ai pas mis en plus ce soir. Ah, c'est dommage. Bah, normalement, il y a contexte. Et du coup, on sait euh, ce que je fais. Petite c'est super. <laughs> ah, c'était là. Ah oui, 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 ok, d'accord. Je vois l'édition euh, Bellegarde, effectivement. Euh, salut, Shop Kevin. Euh, on fait un petit proto euh, pour euh, tester mes moteurs de la, du, la Coupe de France de Robotique. De la, euh, de la Maker Fight, pardon. Suffisamment entre le bon pour les câbles et les ESC, oui, parce que ça passe au-dessus en fait. C'est pour ça qu'en en fait ils vont pas servir de beaucoup. Écoutez, on va la découper. Euh, voilà, ça sera très bien. Et si je fais euh, exporter juste ça, des fois ça marche en DXF sur le bureau test ouais faut aligner la vue ah ouais, mais le problème c'est que comment tu... ça je sais pas tu vois ça par exemple ah bah voilà ah voilà on va être bloqué euh, par un truc très con c'est que euh, je ne sais pas aligner la vue sur un sur un truc qui est euh, euh, non plan svg bah oui je pensais faire ça euh, du coup euh... Non, c'est pas celui-là. C'est pas un SVG. Ah voilà. Voilà. Je sais pas si ça va le faire. Salut Sto Mais ouais, euh, par contre, Quentin, euh, dommage, euh, là ce soir, j'ai oublié de le faire. Généralement je le fais, mais comme je corrigeais déjà encore des soucis sur mon overlay avant de, euh, avant de lancer. Et eh ben, un petit souci. Ah ça fait de la merde. Ah ça fait de la merde. Alors, macro aligne euh, view to face. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Euh, outils, gestionnaire dadd macro, aligne view to face. Installer. Ok. Fermer. Sélectionne la face et... Euh... Alors, Vous savez quoi Je crois que j'ai jamais. Ah oh, oui, ça marche. Ça c'est très bien. Merci beaucoup. Merci énormément même. Ok, normalement. Yeah. C'est le feu. C'est trop le feu. Euh... En plus, on va pouvoir le mettre directement là-dedans. Euh test. Ça c'est trop bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo. <laughs> Désolé. Ah oui, je, 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 je regarde un peu moins. C'est vrai C'est toi qui l'as fait Ah trop bien Ah bien joué Ah ça fait plaisir <laughs> Euh... Oh, Est-ce que ça a été foutu Dans mécanique, laser, test, ah oh yes. Normalement c'est bon. Alors, des fois par contre, ça ça fait des trucs chelous. Ah, salut Alex. Je sais pas si y a un, moment pour un projet, Aucun souci, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Ouais voilà, le problème c'est ça. C'est que j'ai des points... Alors... Euh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Arrière-plan en damier, voilà. J'ai des doubles lignes en fait. Alors ça, ma laser, elle va pas apprécier. Sais pas d'où ça vient ça et je sais pas comment on... si jamais il y a un, une solution plus simple parce que moi je me galère à chaque fois à faire ça euh, donc si vous avez une idée je suis preneur en fait j'ai juste besoin d'avoir une seule ligne de contour le problème c'est que j'ai pas de, de solution euh, magique le DXF des fois ça marche mieux <laughs> Ouais, grave gg bah, tu vois là euh, j'aurais pu euh, chercher mais pendant euh, des heures si t'avais pas été là en plus j'aurais dû apprendre à faire des macros ok et là du coup j'ai plus que les contours nickel hop et finir le contour document ajusté grouper impeccable Bon, et bien voilà, on sauvegarde. On va ouvrir K40 Whisper, parce que je suis toujours pas, pas assez à mire K40. La fonction shape2, euh, shape to view de la télédraph à exporter. À oh, 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 Ça c'est une excellente pro euh, proposition. Alors, attends. Les fonctions shape to view dans l'atelier draft j'y vais jamais dans l'atelier draft tu vois j'ai encore tellement de choses à apprendre alors atelier draft alors shape to view est ce que ce serait pas ça le problème c'est que je l'ai en français euh, sinon dans outils euh... attends où est ce qui sont les outils Draft to sketch. Non, ah non, shape to view, donc c'est bien celle-là. Ouais. Et ça, ça ah yes, OK. D'accord, ah c'est intéressant ça. OK, attends, ça fout la merde. <laughs> Il faudrait que je le teste euh, proprement mais OK, 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 ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. Oh là là, tellement de trucs encore à apprendre. <laughs> Alors, K40 Whisper, ok, on va démarrer la laser. Donc on a notre plaque Donc on va passer en laser pc ou voilà barbe à pied <laughs> euh, on va ouvrir notre design alors par contre euh, ça a été foutu euh, non, 2021 Nick. laser de test Ok, déjà ça passe dedans. C'est pas mal. Bon bah allez, c'est parti, hein. Mec, tu fais chemin Union, ça peut être... euh, Non, en fait, ça fait un peu de la merde quand je fais ça, totof. Euh, parce qu'en fait, il y a des fois t'as des doubles chemins, des fois t'as des chemins qui sont doublés, mais pas partout. Euh, et, euh, et du coup, j'avais déjà essayé. C'est un peu, c'est un peu l'enfer. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. Bon, faut y aller, faut y aller. Euh, le réglage est bon. On est parti. Ça fait quand même plaisir la, la caméra dans le laser. <laughs> Juste pour voir ce qui se passe. Euh, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc là, je sais pas pour combien de temps il va y en avoir, ça va aller assez vite. Euh, là, il met 10 minutes quand même. 10 minutes, c'est bizarre. Voilà, bon, c'est du 5 mm. Là. Euh, 5 mm en contreplaqué peuplier, c'est un contreplaqué qui est relativement tendre. En fait, euh, qui, euh, qui, qui travaille bien en plan. Eh, vous voyez, regardez, ça part en arrière. Donc il y a un double contour. Donc on va l'arrêter. On va attendre qu'il est terminé, mais on va l'arrêter. Ouais. <laughs> ah, Là, il y a eu un petit souci. Ok. Ok. Guide. Okay. Donc ça veut dire que notre fichier là, ici, il y a encore des doubles contours. C'est chiant ça. Euh... C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Parce que tu exportes tout la donc tu as les contours de la face dessus. dessus. C'est possible, oui, effectivement. Euh, non, mood c'est une laser K 40 to view ça vient énormément. Enfin, moi ça le fait un ah, punaise tu vois ouais ouais voilà ah ouais mais non mais là c'est c'est pire que ça ok alors on arrête on va essayer le shape to view parce que euh, c'est intéressant et euh, voilà ok oui do you want to incorporate Non. Voilà, et donc du coup c'est cette... à partir de là, ce truc là, je peux le je peux l'exporter, c'est ça Mais non clic, non. Ah Pardon. J'ai pas compris. Non Non. Ah sinon il me le fout dedans, c'est ça Je comprends pas c'est quoi la différence entre les deux du coup. Ah oui, j'ai la face au-dessus et la face en dessous Hum. S'il y a le retard sur le, sur le chat, c'est un peu compliqué pour... Euh... Je fais ça en attendant que quelqu'un réponde. On verra bien. Si ça se trouve, c'est bon. j'ai pas l'impression ça va marcher <laughs> ça, ça fait de la merde euh, il te demande si ça va dans ton en deux. Doit... ah d'accord ok ouais ouais ça ah, pour le deuxième ok d'accord oh merci collectif conscience bienvenue bienvenue à tous les gens qui raident, les 24 personnes ça fait vraiment plaisir merci merci quantique ah <laughs> vous raidez en, en, en disant quantique Bon alors ça. Euh... Quand il coupe. <laughs> Quand il <t 'y> coupe. <laughs> ok, d'accord. Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que c'était intéressant J'imagine. J'imagine. Euh... Ça fait une boulette sur l'export. Il est propre, l'objet... Bah, je ne sais pas ce que tu appelles propre. Je vais, je, vais, je vais essayer l'autre euh, pour voir ce que ça donne et puis, euh, et puis on va bien voir euh, parce que là c'est un peu un peu étrange effectivement je suis assez d'accord non le l'autre est, est pareil Ah, ah <laughs> bon écoutez on va pas y passer euh, des plombes euh, je vais essayer de le faire en dxf directement euh, et j'essaierai de résoudre ça euh, euh, plus tard, calme. <laughs> Tiens, vouloir faire passer un message <laughs> Toujours passionnant. On zoom en Afrique. Ah, attends, on va regarder. Bah, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Enfin, j'ai pas l'habitude, mais t'as peut-être plus l'habitude que moi, mais c'est pas l'air dégueu. Hein. Une espèce venue d'ailleurs tente de par param projection mode passer à individual face alors euh, param projection mode passer à mon dieu comment est ce que on peut savoir ça c'est ouf ça ok alors maintenant on le tente c'est le 4 est-ce que ça va marcher Non, ça fait la même chose. Faire sur fusion mais pas C'est <laughs> quoi le projet Quel genre de robot Alors là c'est un robot, euh, bon, c'est un robot de combat même s'il n'a pas d'armes euh, Pour la maker fight, euh, c'est un robot radio -commandé. Voilà, c'est euh, euh, grosso, euh, grosso merdo ça. Euh, L'idée, c'est plus là de, de tester. Sauf que là, on n'arrive déjà pas à découper notre plaque. Ça fait quand le on n'est pas exactement sur le plan XY avec la 0.19. Ah, merde Bon, bah, écoutez. C'est pas grave. Euh, on va... Euh, on va le faire avec ça, comme je disais tout à l'heure. Euh, plaque de test dans... de Conception. Ah, oui au bon endroit, mais c'est pas grave. Voilà, on va essayer en DXF. Euh... Euh... Plaque de test. DXF. DXF, j'ai moins de problèmes en général. Est-ce qu'il est là encore, Julien Bourg <laughs> Est-ce qu'il a raidé avec vous Bon, là, ça marche. En théorie. Mais du coup. Ah ouais 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 bon c'est chiant hein. C'est très très chiant. Ah puis alors en plus Attendez. Ah oui. Ah oui. Ah on est sur un sur un niveau de, 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 de chiantisme assez important. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les... Euh, toutes les gens. Merci, Institut euh, TCP C'est cool, bienvenue euh, Bienvenue, Jujulux, euh, également. D'accord, je vais devoir les faire un par un, de toute façon. Bon, bah, c'est tout, hein. c'est comme ça, hein. c'est la vie. En fait, c'est marrant, c'est... Effectivement, j'ai l'impression comme tu dis euh, parce que c'est pas droit en fait j'ai jamais vu ça pour le coup et c'est juste les euh... ah, c'est juste les traits euh, les traits du dessus quoi pas très étrange Bon là ça a l'air de marcher. Est-ce qu'on va réussir à découper la plaque euh, telle est la question Voilà. Ça ne me motive pas à me mettre à pour mes impressions s'il y a de Franchement, c'est la première fois. Voilà, hein. bon, c'est pas pour de l'impression 3D, c'est pour de la découpe laser. Mais euh, en soi, bon. qu'on euh, en chemin, tout s'est fusionné. Ouais, ce serait peut-être mieux. Ouais. Pas de galère sur les autres, c'est clair. C'est clair. Allez, on retente. Euh, je suis reparti de zéro. J'avais pas fait, j'avais pas bougé mon zéro. Donc, comme ma plaque a pas bougé, en théorie, je devrais pas avoir de soucis. Ah déjà 6 minutes, ça paraît, semble beaucoup plus logique. La fusion, quand j'ai commencé à l'utiliser, il était bugué de par contre. Il y avait plein de trucs qui marchaient pas, ça plantait, ça sautait. Tous les softs ont des problèmes. Tous, sans exception. Bah voilà, mais. Apprends à connaître fricade et tu n'auras plus de problème. C'est ça le truc. Bonsoir votre maker. Je vais mettre le, le laser en grand. C'est beau. Et là ça découpe bien. là. Puissance euh, 26. Alors attends, je te ça exactement... Je suis à 26%, qui ne doit pas t'aider énormément, et je suis à 10 mA avec une vitesse de 7 mm secondes. Attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est que là je suis sur un contreplaqué peu plié. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment important parce que tous les contreplaqués ne se découpent pas aussi bien que ça. Pour faire un robot troll de combat, il faudrait que les galères à la conception soient répercutées sur les capacités de nuisance. <laughs> Est-ce que les modos le permettent euh, Oui, oui, oui. oui. Il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. La contrainte de temps est pas. Bah ouais, je sais, ouais. Mais on avait. C'est avec Monsieur Bidouille qu'on en a parlé. Lui, c'est pareil. Il, il aimerait bien s'y mettre, mais euh, il y a la contrainte de temps qui ne va pas. Et moi, j'ai eu. Quand même la chance de pouvoir m'y mettre de manière plus intensive euh, sans avoir de pression euh, pro ou autre, et ça aide quand même pas mal. Mais euh, ça aurait été la même chose sur n'importe quel autre logiciel. Hein. Là, j'ai un pote, il est passé sur Créo, c'est horrible pour lui. Hein. Voilà, euh... Bon, apparemment, en plus, pour le coup, ça a aussi bugué. Mais, euh... Mais lui, il, voilà, il dit c'est un nouveau monde, quoi. C'est un nouveau monde, ça fait quand même des trucs un peu étranges. Je vais faire les streams, je vais... Je vais faire les streams. <laughs> ça serait rigolo. Juste on regarde la découpe laser fonctionner, mais n'empêche, pouvoir ça, c'est le truc que je pouvais pas faire avant c'est à dire regarder la découpe, voir si ça se passe bien ou pas, et continuer à discuter avec vous. Alors, il se passe quand même des choses un peu étranges, hein. Vous voyez, il y, a des, euh, il y a des contours qui sont pas. Euh... Bon, ça c'est vraiment le fichier. Et là, vous voyez, ça c'est vraiment un truc sur lequel je me suis toujours démerdé euh, pour que ça fonctionne avec la laser, avec FreeCAD Mais en vrai, il faut vraiment que je me. Faut vraiment que je me pose et que je vois le workflow euh, précis euh, à faire euh, pour que. Pour que j'ai plus ce problème-là, quoi. Eh n'aime pas quand le body a un angle différent de 0, Ah merde. Ah merde, bah là c'est exactement le cas. Hein. La prochaine fois directement en live. Ah ouais, désolé gros louche. Ah ouais, c'est vrai que je commence tard. Hein. Je commence un peu tard. Voilà, hein. bon, on est d'accord qu'il repasse sur le trait. Ça va faire la troisième fois qu'il passe dessus. Hein. Donc euh, bon. En fait, le, le problème avec. Euh, comment dire. Euh, avec là, c'est qu'il considère que chaque ligne euh, est une découpe. Euh, est, parce qu'en fait, ils sont pas liés, en fait. La forme est pas liée. Parce que là, c'est un DXF où tous les, tous les trucs sont, sont séparés. Quoi. Donc, dans, dans K40, lui, il va juste faire le, les, les trucs et euh, il va les faire au fur et à mesure. Et, et il les lie comme lui, euh, il a besoin de les lier, quoi, en fait. Euh, c'est pas opti pour toi, c'est peut-être plus opti pour lui par rapport à son algo en fait. Et alors là, je sais pas comment ça marche à l'interne de, de, de K40. Euh, ça, ça doit avoir une logique pour lui, en fait. Il doit y avoir forcément une logique d'optimisation. Euh, maintenant, euh, c'est toujours un, Il y a, a d'autres logiciels qui existent et qui font plus d'optimisation. Euh, il faut que j'essaye justement euh, Mir K40. Euh, et, euh, et puis après il y a le fichier qui est dégueulasse de base euh, ça je, voilà je, je plaide coupable parce que euh, du coup euh, c'est vraiment pas euh, un truc euh, c'est c'est vraiment fait à l'arrache pour le merci mon android pour ton deuxième mois d'abonnement avec Prime ça fait plaisir merci énormément n'aime pas quand ah merde c'est dommage et bonsoir du coup <laughs> non on voit des arcs électriques c'est quoi des arcs électriques euh, non, ce que tu dois, mais il repasse encore une, une troisième fois. Putain, très très chiant. Hein. C'est très très chiant. Mais là, le fichier de base n'est pas terrible. Euh, non, les arcs, c'est pas des arcs, c'est euh, des, petites, des petites étincelles. Alors généralement, quand tu vois des étincelles comme ça la découpe laser, euh, c'est que sur du bois et du contreplaqué, là, les petits trucs un peu plus euh, flashouilles, là, euh, c'est que ça vient couper en fait du euh, quelque chose de plus dur. Euh, souvent de la colle ou alors ça vient taper en fait en dessous euh, sur la partie métallique <laughs> ça va être bien découpé ouais, effectivement ouais. putain cette double découpe elle nous met un peu euh, mal quoi non non euh, je pense qu'il y en avait beaucoup plus que ça en fait au final j'ai pas regardé le trait en dessous mais bon désolé frustration de programmeur censé bah oui, non mais je te comprends hein. mais moi aussi hein, ça m'énerve hein. Mais bon tant pis hein. ah, mais combien de fois tu as non c'est bon stop Ouais, ok. Là c'est bon. <laughs> j'étais en train de me dire, il va refaire un tour. Allez, wouh. Euh, c'est les gaz qui ont un peu dégagé par la colle, exactement. Ça me fait rester plus tard. <laughs> bon, on est bon. Euh, J'ai attendu suffisamment. On va passer côté atelier. Normalement, on n'aura plus besoin de redécouper, donc on va déjà vérifier si tout fonctionne correctement. Et si nos ajustements sont bons. J'ai jamais été plus loin que 5 mm euh, Romain, euh, parce que j'en ai jamais eu besoin, mais oui, je suppose que c'est euh, fortement possible. Enfin, je suppose. Non, c'est même, même sûr. C'est même sûr. Euh, alors attendez, parce que... Là, quand même, c'est très, très sale. Euh, ça, on va -là. On, Donc, on va faire un truc. C'est qu'on va le nettoyer. Juste là. Ah ouais est très dégueulasse ça c'est surtout pour pas s'en refoutre tout le temps sur les doigts ça sera pas mal voilà oh la Là, tu sens que le laser a passé plusieurs fois oh oh oh. 5 puis hmm. pour l'avoir déjà fait sur d'autres lasers en fait non t'es pas obligé d'aller à ces extrémités là euh, tu peux juste passer plusieurs fois et ça suffit en fait parce qu'en théorie quand tu découpes tu es censé avoir euh, le focus au milieu de la pièce voilà. donc euh, en théorie il n'y a pas besoin de le changer. C'est pas mal. Hein. Regardez là, Alors, les... On mettra les, les antennes sur les côtés là. Attention aux antennes. Ok donc ça c'est bon. Euh, la batterie. La batterie ça a l'air très très bien. C'est vrai mais c'est très bien. On va le mettre dans l'autre dans de l'autre sens à mon avis. Il faut quand même que le testeur. Alors, je vais le mettre comme ça. qu'on qu puisse brancher le testeur. J'aime bien avoir le testeur batterie. Non on va se mettre comme ça. Comme ça le câble batterie je vais faire passer dessus. Ok et donc maintenant ça parce que c'est quand même ça aussi. On va tester. Ouf. Ah oui. Par contre, je vais chercher ma caisse. Okay. Sans mes clés, ça va être un petit peu compliqué. Euh, alors. Je pense que celui-là. Non, ça, ça va. Le micro est loin. Oui, exactement. Désolé. Là, le micro est mieux. Normalement. Ça a l'air bon en tout cas au niveau des écartements. Super. Tellement pas serré ce niveau-là. On va le faire avec le tournevis. Il y aura beaucoup mieux. Pas l'enlever, hein. bah non, normalement non, mais euh, comme la pièce est euh, comme les couches sont très épaisses et que c'est imprimé vraiment en mode rousse, il euh, ya un petit peu de voilà, ça se joue un peu dedans. J'arrive pas à l'enlever en tirant dessus, donc c'est pas grave, hein, on va dévisser hein. les fameux outils Lidl. Bah ouais, écoute, franchement, ça marche. J'ai pas que ça, vous bon, sûr et encore, je sais pas si ce serait forcément plus rassurant. Et si ça fonctionne, c'est très bien. Alors, hop, est-ce que je vais réussir à non. on va visser quand même? Il est bien le pistolet à colchon. Moi j'en ai déjà un, hein, donc euh, j'en ai pas besoin. J'avais l'impression qu'il était un peu gros. Oui, j'ai reçu mes pneus, oui. Bah, euh, début de semaine. En fait, c'est pour ça que je fais ce live là euh, ce soir, on voit. Euh, alors je visse pas complètement, parce que je vais savoir si oh, ça passe nickel. Ça, vous, vous savez quoi Ça, ça veut dire un truc. Ça veut dire que la modée qu'on a fait, qu'on a faite, euh... euh, la modé qu'on a faite euh, il y a quelques semaines. Un peu comme ça, au moins les, les vis rentrent. Et ben en fait, ça veut dire qu'elle était propre. Et euh, la modèle des moteurs est bonne. Et ça, c'est très, très rassurant. Ce pas l'outil qui fait le bricoleur, mais exactement. exactement. Bon, euh, des fois, il euh, y a quand même des outils euh, nains. Hein, euh, voilà, on va pas se le cacher non plus. Hein. Mais. Euh, pas parce que tu as un bon outil, tu seras un meilleur bricoleur. L'inverse, c'est parfois pas forcément réciproque. Ouais. ouais, mais ça me surprend pas. Hein. J'ai des très vieux outils euh, et je continue de les utiliser. Euh, honnêtement, euh... regarde ça par exemple. J'utilise tout le temps. C'est un tournevis, je pense qu'il doit avoir. Bah, quand est-ce que je l'ai vu C'est un anniversaire. C'est ma première caisse à outils, un des premiers outils et des, des, des premiers sets d'outils qu'on m'a offert euh, mais c'était un set d'outils euh, très basique, quoi. il euh, n'y avait, y avait que dalle, quoi. Euh, ça devait coûter euh, 3 francs 6 sous. Quoi. Plein de petits tournevis comme ça, je les ai encore quasiment tous, peut-être perdu quelques-uns. Euh, ah ouais, ça va faire 25 ans. Oh. Ouais. Si on connaît les limites des outils, on ne les surexpose pas à des utilisations un peu à la con. Et il n'y a pas de soucis, ça va tenir. Hé eh. <laughs> Ah, ça fait plaisir Mais alors, pourquoi l'automode bloque arrière-grand-parent Faut que tu m'expliques. La mode est effectivement très belle. Bah, merci. La modée des moteurs, hein, parce que la modée de la plaque, euh, elle est pas folle. Hein. <laughs> la différence entre le mec qui passe 3 heures à faire une modée de moteur et 10 minutes à faire une modée de plaque dégueulasse. L'étape, <laughs> faire un clan de la pièce déplacée, pivotée de ref. Oh là là, la la vache. Peut-être qu'il faudrait. Ça pourrait pas se. J'ai pas encore testé, hein, mais. Euh... Se euh, macro-ifier, ça Papier, ces outils fait comme au moins 40 ans de mécanique avec l'intention, toujours en forme. Et ouais, alors après, euh, tu vois, j'étais un peu surpris parce qu'il y avait des outils ou des marques d'outils euh, sur lesquels je me disais, euh, vas-y, zéro problème, jamais, tout ça. Euh, typiquement, là, on a parlé sur le Discord de, de, de Dremel et, euh, et quelqu'un demandait, euh, ouais, qu'est-ce que ça vaut les outils, euh, euh, les faux Dremel, quoi. Et je lui ai dit, bah. Moi, perso, j'ai Dremel depuis, euh, depuis des années, euh, je te conseille de prendre ça. Et on m'a dit qu'en fait, ça avait, euh, ça avait, a priori, là, voilà, c'est vraiment, euh, je n'ai pas testé, mais euh, ça avait euh, mal vieilli en soi. Euh, C'était que les nouveaux, euh, les nouveaux trucs Dremel n'étaient pas forcément ouf. Ce n'était pas la qualité qu'on avait euh, il y a euh, 10-15 ans, quoi. Oh merci euh, BRG. Bienvenue. Ah c'était toi. Ah, oui c'était toi pimento Effectivement. Et ouais, du coup, tu vois, je, 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 je me dis, bon bah merde, si jamais euh, même Dremel, tu vois, euh, qui est plutôt une marque euh, je, je, je pensais reconnue. Pas dans les imprimantes 3D. Hein. Les imprimantes 3D, ils ont fait une, euh, une imprimante qui est pas ouf. Mais pour le reste, euh, je assez, euh, je suis assez euh, déçu, quoi. Ça devient vraiment trop grand pour, euh, pour visualiser. et le, le orange et le bleu ça rend bien. Hein c beaucoup. Hein les vieux facons encore c'est usine. J'ai l'impression que les vieux outils en général, quand ils ont vi... enfin quand ils sont parvenus jusqu'à nous, c'est que finalement ils étaient bien. <laughs> ah merci euh, Alex. <laughs> Je sans facture 20 ans après, mais non Ouf ça Le robot overboard <laughs> Il y en a qui prennent des, euh, des structures électriques d'overboard avec les monteurs, etc. pour faire des robots. Mais en fait, c'est pas... Euh, enfin, J'ai l'impression que c'est pas hyper adapté. Vous le voyez là Alors c'est marrant parce que je l'ai monté à l'envers. C'est pas grave, hein. euh, c'est juste que là, la batterie du coup va être à droite et l'électronique va être à gauche. Alors que sur la manière dont on l'avait présenté, c'était l'inverse. Euh, on va monter les deux supports de SC, Et puis, normalement, on aura fini avec les lisses. Nice. Demain, je pique au crack. En fait le picot, j'ai regardé, j'aurais pu faire un récap là-dessus, mais j'avais pas encore suffisamment regardé, j'avais peur de dire les conneries. En vrai, ça a l'air pas mal. Et il y a pas mal de développement qui est en train d'être fait en plus. Donc euh, je me dis qu'il y, y a quand même quelque chose à en tirer. C'est les couleurs complémentaires. Dans le temps, les choses étaient faites pour durer, aujourd'hui, les choses sont faites pour être achetées. Ouais. Ouais alors. Ouais. Regarde-moi, j'ai un marteau que mon beau-père m'a filé, euh, qui a un marteau SNCF qui a. Je n'ose même pas savoir. Euh, elle agit là. Et euh, je utilisé encore cet après-midi. C'est une brutasse ce marteau. 8, 3, 4, 1, 4. Euh. Clé. Oh, pas du tout. Alors, par contre, il y a un sens. Alors, on va regarder tout de suite un ESC. Euh, comment il est foutu Ouais. Alors, c'est la puissance de ce côté-là et le signal de l'autre côté. Alors, comment on va faire Est-ce que je mets dans ce sens-là Donc, va avoir le signal qui va arriver là, Donc, comme ça. Non, on va le mettre comme ça. Ça sera plus simple. Hop. Oh Julia Salut salut Comment vas-tu Début semaine de problème, on va tester ça. Par contre après... Euh, attends, 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 attends aussi. Bah, bah, euh, il faut, faut que je j'en commande un. Mais... Euh, euh, comment dire euh, En fait c'est plutôt sur les promesses de ce qui va arriver que j'ai l'impression que c'est intéressant. Parce qu'en fait le, le microcontrôleur... Je parle et puis je fais de la merde. Euh, J'aurais dû prendre une petite pince. Euh, le microcontrôleur en lui-même va être intégré en fait dans d'autres cartes. Et, euh, et, et c'est ça qui me, qui me fait plus euh, dire que ça va être euh, ça va être bien parce que euh, justement ça va être pris en main par euh, d'autres fournisseurs. Euh, et donc du coup, générer euh, des nouveaux firmware, des, des nouvelles librairies, machin, etc. Et en fait, la doc, j'ai regardé la doc, elle est, euh, elle est hyper bien foutue. Euh, du coup. Et donc euh, non non je pense qu'il y, euh, y a vraiment un truc là qui est en train de se passer euh, et euh, c'est euh, History Code euh, aussi qui m'a qui envoyé un truc comme quoi euh, euh, Arduino était en train de regarder justement pour porter euh, si j'ai bien compris Arduino dessus ah, là voilà là on commence à oh, j'aurais peut-être dû mettre des robots, mais... euh, là ça commence à être intéressant là bon, tant pis pour celle-là mais je vais mettre pour les autres parce que je suis, en... je suis enfoncé dans le bois là J'ai mal partout. Qu'est-ce qui t'est arrivé elle est je rejoins La doc, elle est clean. Ouais, la doc, elle est ouf. En fait, je n'avais pas bien regardé. J'avais juste regardé, tu vois, les, les entrées-sorties. Et en vrai, non, la doc, elle est, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ok que je passe j'ai pas vu ce qui s'était passé ah ah non non on avec tout ça wifi moi franchement est... tu vois c'est plutôt ça qui me fait peur moi je m'en fous de la carte d'Arduino en vrai parce qu'ils vont faire un truc euh, comme le pro machin là euh, qui va être horriblement cher et, euh, et ça va être trop chiant euh, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que si jamais ils font ça, ils vont développer. En vrai, Arduino, en soi, je suis pas ultra fan de leur carte, je suis fan du, de l'environnement, de l'environnement de, de développement, hein, pas de l'idée d'Arduino, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, mais surtout de tout ce qui a été créé autour, en fait. Voilà. Et, euh, euh, et qui permet, du coup, euh, de faire ce qu'on qu fait aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant avec les Salut Quentin, a plus plus Ah fait ici Trasbury pour son produit, ça sent l'accord commercial. Sur... Ah oui non mais clairement, ah, c'est sûr. sur quatre un peu sur la carte fusion. Mais... Ouais ouais. La voilà, carte Wifi, elle ne s'en jamais, euh, jamais folle, effectivement. Écosystème, exactement. Bah C'est ce qu'on disait, hein, Pimento, euh, lors de ton live. Hein. De l'idée, <laughs> euh, attention. Alors, ce qu'on va faire là, euh, c'est qu'on va euh, on va câbler les ESC, et c'est là où je vais passer en mode hop, présentation des ESC. Parce que là, maintenant, on a fini, et c'est beau hein. en vrai, c'est pas dégueu. Hein. J'ai vu des robots de combat plus dégueu que ça, Mais ça, c'est un prototype. <laughs> euh, alors, 1 de... Bon, alors, on va pas tous les tester parce que je les avais déjà montrés dans un précédent live, mais comme là on, y est, on est dessus, il n'y a, de, a pas de souci. Le moteur et l'antenne, quoi <laughs> L'antenne orientée vers les moteurs. Oui, mais t'inquiète pas, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va aller. Non, c'est comme une pro. Non, a quasiment. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Des produits pédagogiques, oui. Du, du prototypage, oui. Pour le reste. Alors, ici, je vais les mettre dans ce sens-là. Du, euh, du, du plus pourri au moins pourri. Non, c'est dégueulasse de dire ça. Non, du, du, du moins adapté au plus adapté. Avec l'entre-deux qui fonctionne très bien. Un ESC, pour, vos, pour rappel, qu'est-ce que c'est donc, c'est un système électronique qui va permettre de piloter un moteur. Vous avez des ESC pour les moteurs euh, continus, comme c'est le cas euh, pour nous ici, euh, des, des ESC pour les moteurs brushless. Alors là, il serait différent. Déjà, on aurait trois fils euh, de sortie pour brancher notre moteur. Et on va retrouver un peu ou prou la même chose à chaque fois à savoir une interface batterie voilà, pour se brancher directement sur une source d'alimentation, donc en théorie, euh, une batterie des fils pour se brancher au moteur, piloter euh, le moteur euh, bah, dont on a besoin. Alors là, du coup, ce sera un moteur euh, continu et une entrée signal de type cerveau, Voilà, avec général euh, trois câbles, deux câbles pour l'alimentation et un câble pour le signal. Basiquement, le SC fonctionne un peu comme un servomoteur moteur. C'est-à-dire que si vous envoyez un signal de servomoteur moteur sur la patte de signal, la, la patte blanche en l'occurrence pour celui-ci, et eh bien lui, il va interpréter ça comme une vitesse à donner au moteur. Vitesse qui peut, enfin, euh, avec un sens de, avec une direction, avec un sens de rotation. Euh, merci Ruduc, bienvenue. Donc voilà comment fonctionne à peu près, vite fait, très vite fait. Très vite fait. Un ESC. Il y a plein de particularités sur plein d'ESC, etc. Je ne vais pas tous les faire, c'est ce n'est pas le but de ce soir. Mais globalement, voilà ce qu'on va retrouver dessus. Merci, Cachotique. Euh, euh, autre chose, l'ESC, qui va être important aussi pour le câblage, euh, souvent a ce qu'on appelle un bec intégré. Donc, c'est un convertisseur euh, de tension qui va convertir la tension batterie, qui est généralement plus élevée que 5 volts. Euh, très souvent, en tout cas plus élevé que 5 volts, en une tension peu ou prou égale à 5 volts. Pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, l'ESC, dans une voiture par exemple, ça c'est des ESC de voiture radiocommandée, euh, il va permettre quoi Il va permettre de piloter le moteur de la voiture. Et généralement, il n'y en a qu'un seul, parce que la direction de la bagnole, c'est avec des servomoteurs et on, fait, on agit sur les roues directement. Mais il va du coup. Avec un seul élément, permettre d'alimenter le récepteur, parce que le récepteur, faut bien l'alimenter, et potentiellement d'alimenter aussi les servomoteurs qui seront branchés dessus. Donc ça, ça va être important parce que nous, on a deux moteurs, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont séparés, là, ici, les fils, on va éviter de brancher deux fois, enfin deux becs sur le récepteur. On va en brancher qu'un seul. On va juste inhiber l'alimentation qui viendrait d'un des ESC. Voilà, donc ça c'est important. Souvent aussi, il y a un autre truc, moi je n'avais pas trop fait gaffe quand j'ai acheté cela, euh, c'est qu'il y a un interrupteur, parce que aussi, le, euh, votre système, là, il ne démarre que quand votre récepteur est alimenté. Et le petit bouton On-Off ici, il permet justement d'alimenter ou pas l'ESC, bah, d'allumer ou pas l'ESC, et donc du coup d'alimenter ou pas votre récepteur. Voilà. Là, ici, on a des interrupteurs qui sont des interrupteurs à glissière. Pareil pour le modèle juste au-dessus. Voilà, juste un petit capuchon pour être euh, euh, un peu plus waterproof. Celui-là, il me semble qu'il est waterproof du coup. Oui, c'est ça, il est waterproof. Euh, et sur celui-ci, c'est là où on commence à avoir des emmerdes euh, c'est un double bouton avec un truc de reset parce que celui-ci est programmable. Et le problème, c'est que ce bouton-là, euh, il va nous faire chier. Euh, et ça, j'en avais, dé avais déjà fait un live dessus, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais du coup, ça veut dire que je ne peux pas laisser en off, en on mon, mon robot et juste avoir une, un gros bouton pour actionner la batterie. Je suis obligé d'appuyer dessus. Donc, il y a des choses pour pouvoir passer outre. Euh, on avait, ouais, voilà, je l'avais déjà fait en live. En gros, euh, voilà, euh, là celui-là, je l'ai découpé et on peut mettre un interrupteur entre deux câbles. Mais bon, c'est assez chiant, mais ça se fait. Voilà, vite fait, très vite fait, comment fonctionne un ESC. Les ESC, ils ont des particularités. Alors, nous, on a besoin de deux ESC parce qu'on va en avoir un euh, par moteur, moteur gauche, moteur droit. Ce qui se passe, c'est que quand moi je vais lui demander d'avancer, à mon robot, je vais, il y a deux, les deux moteurs en fait vont avancer dans le bah, dans un, pour pour l'un dans un sens et puis pour l'autre dans le sens inverse si on les prend euh, juste à côté. Donc ça, ça va lui permettre d'avancer tout droit. Sur cet ESC, qui est un ESC à la con, je ne monte pas de marque, euh, voilà. Celui-ci, en fait, euh, cet esc là, lui, il a ce qu'on appelle un mode frein. Parce que c'est normalement, je vous le rappelle, les ESC qui sont utilisés pour les voitures radiocommandées. Dans les voitures radiocommandées, on a une télécommande avec une gâchette. Voilà. Et en fait, on va accélérer. Et quand on va vouloir passer De euh, marche avant à marche arrière, en fait, on va relâcher la gâchette, le SC va freiner et ensuite on va devoir remettre un coup en arrière pour pouvoir passer en marche arrière. Si vous voulez, on peut pas faire marche avant et d'un coup pouf, marche arrière avec ce type de SC. Alors, c'est très bien pour une voiture radio commandée parce qu'on n'a qu'un moteur et que c'est le fonctionnement. Le souci, c'est que nous, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Parce que si on fait ça, en fait, on va avoir du mal à piloter. Il va y avoir des moments où il va y avoir des temps morts, on va devoir revenir, etc. C'est très très, 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 euh, très, très chiant. Du coup, cette ESC-là, il est bien pour piloter de, des petits trucs, euh, ou juste un moteur de, dans une bagnole, mais pour en piloter deux, ou un, pour piloter un robot, etc., bah celui-là, on va le mettre de côté et on ne l'utilisera pas. Alors il y a déjà des GD, hein. le solution c'est d'avoir ton propre bec et pas de... Et pas dans un essai. Oui, oui, voilà. Euh, c'est aussi, aussi possible d'avoir le bec séparé de l'ESC. Exactement. Batterie éliminateur circuit, exactement. Bec coupe l'alimentation des moteurs pour conserver l'alimentation des récepteurs. Le bec a été conçu pour l'aéromodélisme. On mettait à part, effectivement. Salut Captain Smithy. Donc ça c'était le premier. Le second, et c'est là où ça devient intéressant. Vous voyez, il a des petits trucs là pour euh, des, des, des petits, euh, petits sélecteurs là sur le dessus. À quoi il sert ces sélecteurs En fait, il y en a deux. L'un pour choisir le type de batterie, donc Lipo ou NIMH, donc on se met en moment, Lipo. Et l'autre, il y a trois possibilités. FBR, FB, FR. Alors, FBR, en fait, c'est euh, forward break et reverse. C'est ça si jamais je le mets, ce mode-là, c'est exactement comme mon précédent ESC. Ah, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire, euh, j'avance, euh, je lâche pour pouvoir mettre le frein, et je passe en arrière un autre coup pour pouvoir aller en marche arrière. Ensuite, il y a un autre mode qui peut être aussi assez euh, rigolo, c'est quand on n'a pas besoin de la marche arrière, c'est forward break. Donc, as juste, euh, tu avances et puis euh, ça freine. Et du coup, ça va toujours pas pour notre utilisation. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est le Forward Reverse. C'est le dernier, FR. Vous ne voyez pas du tout très bien, c'est quand il n'y a pas de jumper dessus. Et là, ça, c'est le mode qu'on veut. Ça veut dire que si jamais j'actionne et si jamais je vais dans l'autre sens, je lui demande deux commandes qui sont euh, opposées, et ben lui, il va le faire. Ça va être violent, mais il va le faire. Voilà. Donc c'est exactement ça qu'on veut. Et si jamais vous cherchez des ESC pour vos robots, faites attention qu'ils aient bien ce mode-là. Parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Facebook, ça va marcher. Et on peut voler sans moteur, sans radio, c'est ma <laughs> Donc voilà, donc ça c'est le petit qu'on utilisait en 2019, qui fonctionne très bien, qu'on va très certainement utiliser ce soir, parce que j'ai pas envie de reprogrammer les autres, euh, ça serait vraiment trop long, euh, et que vous pouvez aussi utiliser. Ils ont des petites problématiques, on verra ça euh, tout à l'heure quand je les, je les brancherai, mais en soi, euh, ils coûtent pas cher, ils fonctionnent bien, et ceux-là, ce sont des WP 1060. Voilà. D'ailleurs, on voit d'ailleurs le, le bec, c'est un 6V sur celui-ci. Bon, les, les récepteurs, c'est entre 4 et 8V. Hein. Ben, ils le mettent là, hein. entre 4V et 8V. Et le dernier, en fait, que j'ai là, donc c'est exactement le même principe. Donc Celui-là, c'est un WP1080. C'est marrant, ils n'ont ont pas mis le, le nom. Bon, bref, tant pis. 1080. Toujours pareil, les mêmes branchements, etc. L'interrupteur, un peu chiant sur ce modèle. Mais ça, si jamais on l'utilise cette année, je vous montrerai comment le dégager. Il faudra que je refasse quand même des essais. Mais en plus de là, vous avez une toute petite prise type cerveau. Cette petite prise, en l'occurrence sur ce modèle-là, ce modèle-là est vendu avec une carte. On branche la carte sur notre ESC. Et dessus, on va pouvoir sélectionner plein de choses. Et programmer notamment des trucs hyper intéressants. Comme euh, bah, du coup le running mode, donc là forward break, forward reverse break et forward re reverse. Donc ça c'est notre mode qu'on qu veut utiliser. Donc on n'a plus les jumpers. On va pouvoir sélectionner pas mal de choses, l'initial start force, euh, le max forward force et le max reverse force pour être équilibré des deux côtés, ce que celui-ci ne fait pas, et ce qui a un peu un problème, c'est pas grave. Euh, la force du freinage, euh, si, jamais on veut le, le, si jamais on veut mettre un mode roue libre ou euh, un freinage, la puissance du freinage, la zone neutre, enfin il y a plein de choses qu'on peut programmer. C'est un truc à, à, voilà, avec, des, euh, avec des LED, et ça fonctionne super bien. Alors celui-là, par contre, il coûte un peu plus cher, je crois que c'est une, une cinquantaine d'euros. Donc c'est un budget. Mais, euh, mais ça, si jamais vous avez l'occasion, euh, nous c'est ce qu'on a sur notre gros robot et ça fonctionne super bien. Donc voilà un petit peu sur le fonctionnement des ESC. Ils sont capables -il de rêver combien de watts Alors là, celui-ci, euh, je ne sais plus. De mémoire, je crois que c'est 60 ampères pour les deux premiers. Et le dernier, euh, c'est beaucoup plus boîte quelque part euh... je retrouve la boîte euh, mais je crois qu'on est sur du 80 voire euh, des pics à 150 ou 160 ampères quelque chose comme ça donc c'est un peu c'est un peu violent quoi c'est 80 ampères en, en en continu de mémoire mais il ya il y, a, y, a, y a des il on peut avoir des rushs aussi du coup c'est pour moteur brush que deux sorties pour le moteur oui c'est ça exactement 80 ampères ah bah Totov qui me confirme ça on a déjà qu'on pilotait nos moteurs comme des merdes ah là les depuis la carte moteur ouais c'est mieux c'est mieux bah en fait avec les moteurs brushless ils se sont mis à faire des cartes vraiment avec le microcontrôleur que tu peux attaquer derrière mettre un firmware etc voilà bon là je parle de de SC qui sont quand même relativement simples qui sont vraiment tout bêtes donc hop on va brancher on va fixer notre première SC c'est vous c'est et le second. Voilà. Boum. Alors là, alors ce qui est con c'est que... Voilà, vous avez vu, il y a des prises de batterie qui sont différentes des deux côtés. Euh, ça c'est une connerie qu'on a faite une année. Donc c'est pas grave. Euh, on va, euh, va s'en sortir. Euh, J'ai fait euh, des adaptateurs, donc il y a moyen de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir Dites-moi qu'il y a moyen de s'en sortir. Ça c'est batterie. Ça, ça va bien là, Et ça je suis bien ok. Donc ça, c'est pourri. Euh, je dois avoir un reverse quelque chose quelque part. Euh, j'ai pas envie de refaire du câblage euh. ou sinon, j'ai ça, mais ça va me faire un truc encore plus chiant. Euh... C'est l'inverse en fait qu'il me faut. Bref, pas difficile de trouver des scènes pour monter un brush parce que moi déjà, je pensais que tout était plus ou moins. Non, 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 en fait ça se fait encore beaucoup le brush et, euh, et les. Et non, ça se, ça, se fait, ça se fait encore. Un budget pour chaque type de rebond, le café et les Coupes de France. Alors, on a un budget global, ouais. Mais on fait beaucoup de récup parce qu'on n'a pas beaucoup de <laughs> euh... Attendez, j'essaye de trouver des câbles. peut-être quelque chose là-dedans qui va nous aider ça c'est de la merde ça c'est de la merde ça, non, euh... non. non j'ai rien là Alors. On va improviser. Euh... Ouais, ça va être dégueulasse, mais on va improviser. Donc, ça, c'est ma batterie. Ça, c'est mon premier essai Ça, c'est mon. Et non, ça va pas non plus comment j'ai fait. Salut, bonne nuit euh, Salut, bonne nuit Bonne nuit, salut Salut, bonne nuit <laughs> Salut, gros louche On est bon pour un tuto câble Ouais, fait chier euh... Mais d'un l'autre côté, c'est con Ah, oh, putain Parce que, du coup, ce, celui-là, il, il est vraiment inversé, quoi. Oh, allez. On va le refaire. Ah, je suis désolé. J'avais pas fait gaffe à ça. ça fait chier Hum. Alors, ouais, au moins ça sera fait. Parce que ça, c'était une erreur vraiment con quoi. Et euh... alors, c'est quoi cette gaine de l'enfer Alors comment c'est foutu là Ouf Je vais pouvoir même le dessouder, je crois. Si j'abîme pas le câble. Yes Ah là c'était du câblage. Je comprends pas ce qui s'est passé sur le câblage de celui-là. Bon, du coup on avait laissé ça parce que c'était à à quelques jours de la première maker fight et puis comme je les ai jamais utilisé ces ESC, vous avoue que j'ai jamais fait le changement. Sauf sur un qui devait justement me servir pour l'arme de l'année dernière. Donc ceci explique cela. Hop, mais on est équipé. On va pouvoir dessouder ça en un temps record. Tout en restant sur quelque chose de très propre hein. euh, et on va pas faire la même connerie, ça serait bien de changer un petit peu. Voilà, alors le robot, on va le mettre de part, le temps que je sonne. Voilà, hop, ouais, ça marche. Nickel. Oh. Parfait. Hop, pas se tromper entre le plus et le moins. On va juste mettre un tout petit peu d'étain dans les connecteurs. Voilà. Et de autre côté et câble ne pas oublier la gaine thermo sinon on est ouais, voilà bah franchement vu le temps que ça va nous prendre ça valait vraiment pas le coup de passer outre. Euh, alors voilà on met la gaine thermo en avance sur le câble ah, souder ça impeccable alors là un truc là si jamais vous soudez des, des gaines thermo comme ça vous êtes proche euh, de votre euh, de votre soudure pour éviter que la gaine thermo se rétracte, c'est un, un, un truc que m'avait euh, passé Alf comme, euh, comme tips. C'est que vous prenez un, un chiffon et vous l'humidifiez et vous le mettez de, autour de ça. Comme ça, ça évite que ça monte trop euh, en température et, euh, et que du coup votre gaine thermo se rétracte. Voilà. Euh, oh, vu de ce que je vois pas dans ça. Ah, si, si, on a vu, on a vu. On a vu. Au début. Toujours pré-étamé, pour XT pré préchauffer. Ouais, grave. grave. Et là d'ailleurs tu vois tu dis même mais celui-là l'autre était bien mais alors euh, lui était un peu moins moins bien fait et euh, oh merci anonymous euh, qui file 5 euros ça fait plaisir bon là moi je vais très vite donc normalement ah, merde. normalement ça aurait dû le faire sauf que ça ne l'a pas fait et donc potentiellement faire de la merde Voilà. Ok. On va attendre que ça refroidisse parce que là le problème c'est que si je mets ma gaine thermo tout de suite, ça risque de se rétracter et j'arrive pas à la mettre jusqu'au bout. On va ça. Pas con. Ouais, c'est vrai, je, je, la fois où il m'a dit ça, bah, c'était en live d'ailleurs. Et, euh, et et alors là, j'ai fait, mais putain, mais pourquoi on m'a jamais dit ça avant, quoi Pourquoi Hop. Voilà. Et voilà. Par contre, j'aurais peut-être pas dû éteindre le feu. J'ai pas envie de sortir la... Le pistolet air chaud. Je l'installe au-dessus pour l'avoir toujours après de moi. Et là, il est dans son tiroir. Bon, nickel. Effectivement, ça valait vraiment pas le coup. Ça ne va pas le faire. Et du coup, on peut utiliser ce magnifique poulpe. Ah ben non, attends, on peut utiliser ça. Il n'y en a que deux. Il faut mouiller sur ce que tu veux protéger. Ah ok, j'ai jamais fait ça du coup. Euh... C'est intéressant d'avoir ces retours. Alors, euh... ça bouge un peu. On va se mettre un collier. Parce que j'ai pas envie. Que ça saute. Quand on va faire nos essais, ah, par contre, c'était pas prévu pour ces colliers-là. Et bon temps qui dit que ça. Voilà. L'autre regarde... Ah non, l'autre c'est pareil. On va faire ça aussi sur l'autre. Ça on sera sur. J'espère que ça va fonctionner les amis. Ça va rouler. Ça serait vraiment cool. Il aura pas trop de problèmes. Et quand même ça fait ça fait un bon petit live. Je sais pas à quelle heure il est. Ah ouais. Il y avait un peu de taf hein. J'ai pas l'impression qu'on est chômé. Mais bon. Alors, celui-ci. Hop. Voilà. Donc là, je branche le moteur comme ça. Et je vais brancher les deux moteurs euh, dans le même sens. Euh, dans le sens inverse, pardon. Je vais les brancher dans le même sens. Parce que de toute façon, on va devoir faire des essais. Et donc. Euh... comme ça voilà pas de souci regardez là sur cela sur ces ESC là c'est bien il y a de la gaine en plus autour là Et du coup ça évite enfin, ça va vraiment vient prendre au-dessus de la gaine qu'on a fait la semaine dernière ça évite d'avoir euh, potentiellement des courts-circuits ensuite j'ai mis deux XT donc du coup ça hop on va les mettre hop, ici voilà. Donc du coup, si j'ai ma batterie là, ça sera branché à ce moment-là. On va quand même se mettre, parce qu'on n'est pas des bêtes, un porte-fusible. Voilà, on ne sait jamais. Hein on peut faire une connerie. Ou juste ça peut se bloquer ou autre. Là ça commence à faire un peu de calme. Et on va mettre un fusible. de euh... fusible de bagnole. Euh, on, va pas mettre du 30 ampères, on va mettre du 30A, on va mettre du 15A. Très léger, comme ça, c'est pas grave si ça saute, ça sautera, on changera. Je préfère que ça saute plutôt qu'on ait des soucis. Voilà. Impeccable. Bon, c'est pas mal ça, déjà. Alors, euh, ça, j'ai encore des modifs à, à faire dessus, à échanger l'essence euh, les des, des fils, etc. Donc, on met tout ça sur le côté, on s'en occupe plus pour le moment. Merci Pimento, bonne soirée à toi aussi. Sens inverse. Sinon, inverser le sens de rotation dans un GSC. Mais on va voir ça après. Voilà. Parce que je ne sais pas euh, quel est le sens de rotation. Est-ce que c'est euh, quand tu mets jaune et bleu et sur le rouge et, et noir, ça tourne dans le, dans le bon sens Donc pour l'instant, c'est du, euh, du, du. Du coup, on laisse comme ça du temporaire du pont laisse comme ça Dans un terme très technique euh, qui veut dire du temporaire <laughs> et du coup euh, du coup on regardera tout à l'heure quand on fera les essais euh, le port, tu dis, Oh là euh, je sais pas euh, j'en avais acheté euh, pas mal ils, ils sont pas comme ça hein, de base hein. ça c'est un que j'ai fait euh, normalement tu as juste le câble rouge et, euh, et sinon tu t'en trouves genre sans le câble ou tu as juste le truc à souder euh, dedans euh, tu cherches porte fusible euh, voiture euh, sur, euh, bon, sur AliExpress ou sur, euh, même sur Amazon, tu dois pouvoir en trouver des trucs comme ça. Hein. Ou, ou euh, sur. Euh, après, sur des sites comme. Euh, je sais pas si Gotronic, ils en auraient. Euh, chez, euh, chez les petits revendeurs euh, français euh, de Do It Yourself, il y a peut-être moyen, tu vois. Il y a peut-être moyen. Euh, le rouge dans la bande jaune. Et le film noir dans la bande bleue, c'est la base. Oui, mais pour moi, je sais pas si c'est bon. C'est ça que je vais vous dire. C'est que euh, en fonction de, de, du branchement des ESC et tout ça, je ne sais pas si ça va être bon ou pas. Alors, euh... oh, attendez. Il me vient une idée lumineuse. C'est qu'on va mettre la batterie. Mais on va surtout bloquer les caps dedans. Voilà. On va bloquer au moins ce câble-là. Dedans. C'est déjà pas mal. Ah oui Salut Matmaker euh, Ça, est-ce que c'est une branche-là Ça sera un problème. On va faire nos essais puis on verra bien. Ok, alors maintenant on passe à, euh, au récepteur. Alors le souci c'est qu'avant de brancher quoi que ce soit sur le récepteur il faut le euh, bien le binder, c'est-à-dire le lier à ma radio commande. Donc pour faire ça, on va prendre la radio commande. On va prendre le récepteur, on va prendre un câble vendu avec la radiocommande qui permet de faire le bind, ou généralement vendu avec la radiocommande ou le récepteur, qui est juste en soi un, un câble entre la masse et le signal. On va se mettre ce câble-là sur BVCC, qui est mon TIND. Voilà. Et je vais brancher un des récepteurs. C'est bien. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Voilà. Hop. Je vais brancher un des ESC dessus. N'importe quel endroit. Euh, pour que ça puisse se brancher. Alors, attendez, par contre... Un petit doute là bon on va le faire dans ce sens là on verra bien euh, j'ai un doute sur le sur le sens de branchement entre le signal et le Pardon. Le signal est haut. En... J'ai toujours un petit doute. Là, j'ai branché juste l'alimentation. J'ai juste branché le récepteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la batterie. Et c'est parti. Voilà. Et on va se mettre sur on. Voilà. Donc, lui, il clignote. -œil. Nous, on va allumer notre radio commande. Euh... On va aller sur. Système RX Bind, voilà, c'est bindé, donc lui il dit que c'est bon, on ferme, enfin, lui il gueule parce qu'il dit qu'il n'a plus de réception, on enlève le bind, surtout on enlève le bind parce qu'à la prochaine, euh, prochaine allumage de la, du récepteur, sinon il va réessayer de faire son bind sur la... la à la radiocommande et en fait ce que je viens de faire là si vous avez des écouteurs Bluetooth c'est un peu le même principe c'est que sur vos écouteurs vous allez euh, euh, les apérer en fait avec votre système donc ce que vous, mettez, ce que vous faites c'est que vous mettez vos écouteurs sur le mode d'appairage pendant ce temps-là il devient euh, disponible en fait euh, pour être appairé et sur votre dispositif, notamment votre smartphone par exemple, vous allez euh, checker ce qui, euh, ce, qui est, euh, ce qui est disponible, et puis vous allez pouvoir vous appairer avec. Et bien là, c'est exactement ce qu'on a fait. Euh... Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais éteindre ma radio. Du coup, euh, et ben en fait celui-là, ça sera mon ça sera l'alimentation de, ma... euh, de mon récepteur. Euh, je vais débrancher ma batterie. Donc, je fais encore des essais. Là on est bon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le surélever, ce truc là. On va les brancher. On ne va pas tout brancher dessus, on va laisser le récepteur un peu loin. Euh, et puis on va faire quelques essais. Alors sur quoi on va le mettre Vous savez pas à quoi peuvent servir vos bobines Ils Peuvent servir. De robot, ok. Alors maintenant, je vais prendre. Euh, je vais faire un truc c'est que je vais allumer la radio commande et je vais regarder euh, quelle voie envoie sur quel channel. Il faut que je me souvienne de comment on fait ça. Ah, oui, d'accord. Ok, là. alors moi, ce que je veux dans un premier temps, c'est que ça, ça pilote un des moteurs et ça, ça pilote l'autre moteur ça le de fonctionnement en char. Donc c'est channel 2 et channel 3. voix 2, voix 3. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est difficile à voir là. Voix bagotée. Pareil, ici. Il n'y a pas la petite musique en... Si, mais à mon avis, mon, nose, euh, mon nose gate il doit l'enlever. Donc, maintenant que je sais ça, ça veut dire que ça c'est channel 3. Donc celui-là, c'est channel 3. Je vais me brancher sur le 3. Voilà. Et l'autre, c'est. Channel 2. Ah c'est là où j'ai mis mon alimentation. Super. Donc, je vais mettre sur la lime tant que ça. Voilà. Et bon on va brancher. Et puis normalement, et eh ben ça devrait rouler. Alors là je suis sur off. Là je suis sur off aussi. Alors, pour l'instant on s'en. Euh, normalement le devant c'est là. Mais euh, t'inquiète pas, je vais, euh, je vais expliquer un autre truc après. Ce sera pas le branchement final. On alimente. Voilà, et là normalement. Voilà. Et là. Ok, alors. Ça fonctionne. Donc il tourne. Ils sont pilotés, mes ESC fonctionnent, mon signal fonctionne, ma radio commande fonctionne. Là maintenant, on va pouvoir paramétrer ça. Normalement, je devrais commencer à regarder. Je vais l'éteindre. Voilà, la batterie. Eh et oui, et attendez, on a oublié de faire un truc. C'est qu'on a oublié de mettre le testeur. Toujours important. On va le laisser. Ça, si la batterie, elle descend vite, il va gueuler. Euh... Maintenant, ce qu'on va faire c'est on devrait dire, bah voilà, ça c'est l'avant de mon robot, ça c'est ma, ma manette pour la, le moteur droite, ça c'est ma manette pour le moteur gauche, donc l'inverse en fait, et après on pilote ça comme ça, avec droite-gauche, droite-gauche. Bon. Euh, le truc c'est que ça, moi, euh, j'aime pas, je l'avais déjà expliqué dans un précédent live, je déteste ça. Je trouve que c'est pas du tout intuitif, et moi je préférais, voir comme sur les avions en fait, ou, ou comme sur d'autres trucs, euh, ça, manette des gaz, ça, manette de direction. Voilà. Donc, channel 2, manette des gaz, channel 1, manette de direction. Et là, vous allez me dire, mais comment on peut faire ça Et bien, il y a deux manières de le faire, ce qu'on appelle le mixage. On va mixer les voix pour pouvoir faire ça. À savoir que quand je vais lui demander d'aller tout droit, je vais lui faire avancer les deux roues, les deux roues dans le même sens, dans l'autre sens, sens inverse, et droite-gauche, les deux roues dans euh, des sens opposés. Voilà. Ce mixage. Il Peut-être fait soit directement par la radiocommande quand vous avez une radiocommande qui le permet, ça demande un petit peu de programmation, mais maintenant c'est relativement simplifié et ça fonctionne très bien. Mais nous on va pas faire ça parce qu'on est des fainéants. On va utiliser un mixeur tout fait euh, qui est où, qui est où, qui est où, qui est, où qui est qui est qui est qui est, qui est, qui est, qui est ben alors eh, on va pas utiliser le mixeur tout fait. Non, déconne, euh, attendez. Hein. <laughs> ah, il est là, tellement petit que je le vois. Voilà, qui est ces petits trucs-là, qui sont des mixeurs qui sont normalement faits pour les avions. Parce qu'en fait, en on on avion, euh, en aviation, euh, pour les volets, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle véritablement, mais droite et gauche, ben on a ce, ce principe-là sur les ailes. Euh, et sur les, euh, les V-tails à l'avant, à l'arrière, les, les avions qui ont des, des, des empennages en V. En gros, ce qu'on fait, euh, c'est que bah, si jamais on veut euh, descendre, il faut que ça, ça aille comme ça. Euh, euh, comme ça, pardon. Si jamais on veut monter, il faut, faut que ça monte dans l'autre sens, les volets. Et si jamais on veut euh, se basculer de droite à gauche, on va les faire basculer comme ça. Et en fait, le mixage peut permettre de faire ça. La musique est super forte, ah bon? Désolé. Descends ça. Non, mix rarement car on paramètre. Te... Ouais, voilà. Du coup, tu le fais avec la carte contrôleur. Alors que là, moi, je ne l'ai pas. Donc, je, je change. quoi. Ça masque la jolie voix de Barbara. Ouais, Déconne dé dé pas. <laughs> ouais, la musique s'est emballée, effectivement. <laughs> donc, on va faire ça avec. Ce petit élément-là. Alors pourquoi on le fait avec un élément euh, électronique C'est juste parce que c'est beaucoup plus simple, ça évite d'avoir à toucher à la manette et surtout ça permet de, ça permet de garder euh, la, la dissociation des voix sur la manette pour pouvoir après euh, comment dire, paramétrer plus facilement le graphique. Euh, le, la courbe, pardon, euh, d'accélération, de décélération, de rotation, etc. Donc c'est beaucoup plus efficace, je trouve. Et surtout, nous, on a un mixeur qui vient euh, d'Australie, qui est dans le gros robot, qui lui rajoute une petite... Un petit câble en plus, donc un petit signal en plus, qui permet en fait ce signal de euh, faire un reverse des, euh, des contrôles euh, pour si jamais le robot est inversé. Donc c'est un mixeur qui a été adapté euh, pour ce principe-là. Et après, bon, mixeur, qu'est-ce que c'est En vrai, c'est un microcontrôleur et on pourrait le faire nous-mêmes aussi. Hein. Voilà. Donc euh, c'est un microcontrôleur qui adapte les voix. Dans les radios, surtout certaines pays friendly, Ah non mais grave, celle-là encore ça va, mais j'ai fait du mixage sur d'autres radios et euh, parce que là, celle-là elle est tactile avec tous les boutons, les machins, les menus, les vite fait t'as vite fait de, de rien comprendre à ce qui se passe quoi. Donc on va changer, on va dire channel 2, euh, channel 1, hop, on enlève ça. Et alors, manière indépendante, hein, channel 2, c'est ça, hein. ça me semble bizarre. Sur mon autre radio, c'était pas comme ça. Hop, channel. Et en sortie, on va brancher. Et ben, euh, c'est là où il va falloir voir un peu comment ça se débrouille et qu'est-ce qu'on inverse. Voilà. Nos deux signes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Alimente voilà maintenant. Si vous voyez, je j'appuie sur une manette, je vais y va. Ils vont aller tous les deux dans le même sens. Là, ils vont aller tous les deux dans l'autre sens. Et pareil, ici. alors là, le problème c'est que putain, il est puissant hein. C'est très très puissant. C'est que là, mais mes, mes voix sont inversées donc on va les inverser pour avoir le bon fonctionnement. Voilà. Et donc normalement. Voilà. Là si je fais ça, j'avance. Si je fais ça, je recule. Si je fais ça... Ah. Là, c'est pas bon. Euh, il faut que je fasse un reverse de mon channel 1. Parce qu'en fait là, si je fais ça, je vais tourner dans l'autre sens. Alors bah c'est pas grave, hein. euh, ça c'est facile à faire. Hop. Inverse. Euh, channel 1. Voilà. Et maintenant. Là on est bon. Mode 2. Hein. Mode 2. Ça, ça me semble effectivement très nerveux. En fait c'est ça que je voulais vérifier. Parce que sur les autres j'avais une, une rampe plus douce parce que du coup j'avais une réduction de 2 euh, avant d'arriver sur les, les moteurs, sur les roues. Là je suis en direct et... Euh, ça a l'air très très violent. Ça n'a pas l'air content, on veut s'échapper grave. Alors maintenant qu'on sait que ça marche, on débranche. Enfin, on active, on débranche la batterie. Voilà. Et puis bah, on va tout câbler, finir de câbler, et puis on va essayer quoi. Alors... Oula On n'aurait pas pu trouver des trucs encore plus grands euh, rien Alors là... Comment je vais faire ça C'est l'effet de la caméra, la roue droite. Non, c'est l'effet de la caméra. Bon, après, normalement, tu as une reprise d'effort sur la roue qu'il n'y qu a pas hein, sur celui-là, donc euh, sur ce proto-là, mais que tu auras sur, le, sur, le, sur la version définitive. Attendez, ça va pas du tout ça. Euh, le, le scratch est beaucoup trop bien. Ah yes Peut-être. En tout cas, j'aurais des scratchs pour les câbles. Ouais, j'aurais des scratchs pour les câbles, mais. Euh... Ah, dommage. Bon, tant pis. Moi, sinon, je le coupe. Hein. Voilà, tant pis. Hop là. Par contre, <laughs> vous avez une vue roue. J'avais pas, j'avais pas fait gaffe. Désolé. Je peux modifier. Ah oui, oui, grave. Mais ça, ça, ça va servir à ça. Hein, les essais. Hein. Là, va falloir euh, changer les courbes. Il euh, bah, y a plein de choses qui va falloir changer. Hein. Désolé. Voilà. Là, on est bien. Donc, dans tous les sens, c'est mieux. Euh... C'est l'autre combat. Bon, je pense qu'il faut qu'il puisse se bouger lentement. C'est un peu un ah oui on mais complètement. Bah de toute façon je peux avoir deux pentes hein, euh, différentes. Ça, ça, on, ça on réglera après ça. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec ça. Les années précédentes, on, ça avait mis un peu de temps à régler, parce que forcément, tu t'adaptes aussi avec le, le, le type de... Ça c'est chiant. Le, le, le pilotage, mais... juste temps en... quoi ah oui je sais ah es en train de me dire que t'es en t'es batterie faible c'est ça hop non ces sont pas forcément faits pour ça L'arrêter, sinon, on va continuer de nous gueuler dessus. Voilà, yeah. <laughs> en vrai, je suis en train de me dire que notre premier robot de combat il n'était pas moins bien câblé que ça je pense qu'il était ouais je pense qu'il était moins bien câblé que ça <laughs> tiens ça hop ah, l'arène n'est pas grande c'est clair 5 mètres c'est ridicule hein enfin ridicule dans le sens où c'est vraiment vraiment petit Ok, bon, alors. Ça, on va le repasser en son. Ouais, là, le robot, il est super léger, effectivement. Tu fais bien de le dire, euh, euh, Pyram. Là, euh, avec, le, avec la structure, euh, je vais gagner 10 kilos. Euh. Mais en gros, vraiment, là, vous avez tout ce qu'il y aura dans le robot. Il y aura peut-être euh, le, le, le Giro en plus. Mais, euh, mais ça, ce sera pas ce soir. Euh, mais en soi, il euh, n'y aura, aura pas tellement plus. Hein. Euh, ok. Ok. Bah écoutez, euh, on se le teste. Alors je vais juste retourner la caméra. Tes photos sont tellement bras. <laughs> euh... si je fais Yes Alors ça c'est un autre gyro j'en ai j'en ai retrouvé un autre Alors Ok, allume la radio. On va être sur retournement comme sur les Braxt. Oh. Ok, alors déjà il y a un souci. Euh, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Euh... Oh. Ok ça c'est le de La vache Ok les amis c'est Un peu la violence Je vais diminuer euh... Je vais diminuer la vitesse la, la Oh, oh la vache oh, oh, oh. C'est impilotable c'est impilotable. à 30% de la vitesse max euh, c'est euh, c'est alors vous avez vu ça le fait que quand je quand je vais en avant en fait le robot tourne en fait ça veut dire c'est le problème de ces de ces c'est euh, que euh, ils ont généralement le la vitesse en reverse qui est moins élevé euh, qu'en euh, qu forward. Donc euh, la vitesse en, en marche arrière est moins élevée que la vitesse en marche avant. Alors, ça, il y a deux manières de le régler. Soit vous mettez un gyro. Soit en fait, il faut changer de, 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 de ESC parce qu'en fait, comme ceux-là ne sont pas programmables, ils sont faits pour ça en fait. Ils sont faits pour que le, la vitesse de, de, de marche arrière soit moins élevée que la vitesse de marche avant. C'est des ESC de voiture. C'est pour ça que euh, on avait changé l'année dernière pour des ESC programmables. Euh, dans, tous les coups, euh, dans tous les cas, euh, c'est euh, assez impressionnant de la puissance du, du truc. Après, je peux le trim un peu, ça. Euh... Je peux essayer de le trim un peu. Euh... C'est le channel 1. Non, c'est le channel 2. Euh... Alors, on va essayer c'est encore pire. Le problème, c'est que c'est pas constant de, de, entre la marche avant et la marche arrière. Du coup, euh, je pourrais fermer autant de réglages que je veux. J'aurais toujours le même problème. C'est un peu mieux là, mais. On va arrêter là euh, parce que déjà ma, ma radio est en train de gueuler parce qu'elle a plus ses batteries. Euh, alors je vais remettre le subprime à 0. Voilà. Voilà. Hop. On va le mettre ici. Et on va l'éteindre et je vais regarder un petit peu le chat. Ce que vous me dites. C'est difficile. Et je vais la fermer parce que... On n'entend plus rien. Alors. Oh vous êtes un peu inversé, mais c'est pas grave. Alors. Euh... Bonjour, vous êtes en live. Oui, oui, imaginaire. Désolé, euh, on a le même t-shirt, j'avais pas vu. C'est vrai. <laughs> Dégonfle <laughs> les pneus. Est-ce que plus de coupe serait plus intéressant pour du combat Je dis ça, j'y connais rien. Oui, ce serait un peu plus intéressant, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, mais le problème c'est que là, euh, on le faisait parce qu'on avait des roues qui étaient plus grandes, en fait. Euh, là, si je veux euh, monter le couple, euh, je vais diminuer... Enfin, ça veut dire que je diminue la vitesse parce que je vous promets un étage de réduction. Maintenant, vu la vitesse à laquelle le robot va, euh, peut-être que ça serait intéressant. Je sais pas. Là je sais pas. Il faudrait que je fasse plus de réglages que ça, mais là je ne sais pas. Euh... Bonne nuit Totus, merci. Si tu polar... bah, en fait, si j'inverse la polarité des moteurs, je vais avoir le, pro... le problème, est sur la rotation en fait, ou sur la marche avant. En fait, tout, tout est là. Tout... tout le problème vient de là en fait. Bon, je l'ai vu rouler, je suis content. Je vous dis, <laughs> ça marche. Salut Force Man. On peut faire un sacré robot sur la Terre sans me <laughs> Le C est un point H avec un circuit de commande qui traduit les signes du récepteur. Oui, inverse un moteur. Oh mais attends, j'ai le j'ai le mixeur entre les deux. Hein. Avec du point en plus. Oui. Un ah, petit tu sais ça enlèvera le problème. Non mais en vrai. Euh... La résolution, je l'ai. Hein. J'ai ça ou... Euh... Où j'ai le le gyro. D'ailleurs, ce serait marrant de mettre le gyro. Voilà. En fait, ça y est, le petit gyro. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas d'endroit pour le fixer. Oh, ils ont même mis un scotch double face. Oh, bien. Il euh, y a le gain et le setup. Il est Ok. Il faut que je le mette entre quoi et quoi. Du coup, c'est voix. Euh, c'est sur ma commande. C'est sur la voix 1. Est un petit giron. Hein Ça peut être intéressant. Hop. Yes. Ouais c'est avec le Giro. Crésus qui va dormir vient ah, filer 5 euros. Ah super merci beaucoup Merci beaucoup Crésus qui va dormir Bonne nuit à toi, Nico Ils auront la même vitesse pour avancer et reculer, après reste à modifier la courbe pour limiter la vitesse sur les battements des manches. Euh... Ils auront la même vitesse pour avancer et reculer. On est d'accord. Euh, mais j'aurai un problème de rotation, c'est que je tournerai pas sur moi-même, je vais tourner autour d'une roue en fait. Ce qu'on avait fait l'année dernière aussi. Bon, après, euh, l'avantage, c'est comment tu roules droit. Ça, c'est sûr. Ça, je ne peux pas te l'enlever. Le, c'est déjà mieux. Euh... Attends, face ça va on va essayer avec le gyro c'est pas rigolo j'ai pas pris le scotch ah, ben mais c'est moins chiant hein. ça je par contre je suis d'accord avec toi euh... une Android c'est à dire que effectivement au moins tu vas droit bon, en fait tu vas pas vraiment droit sur le problème c'est que tu vas jamais vraiment droit avec ces machins mais euh... en fait faut tout faire faut faut, faut faut faire ce que tu dis et il faut mettre un gyro dans tous les cas je pense On va mettre le gyro. Voilà. Donc, si on inverse un des deux moteurs, faisons ça. Euh, oui. On va inverser celui. Euh, je vais changer les piles de la radio. Ça euh, là je les ai pas rechargées. On va mettre des piles non rechargeables. Tant pis. C'est ça, exactement. Mais en fait, il t'aide aussi à, euh, à être un peu plus souple dans les rotations. Ah. Des piles. Salut Tixéric, euh, merci à toi d'être passé. C'était cool. Alors, on va faire nos essais là-dessus. Euh, il faut qu'on démarre notre robot. Alors par contre, là j'ai inversé un moteur, donc ça veut dire que euh, en vrai, il faut que j'inverse mon mixeur aussi. Du coup... sinon ça ne va pas aller. Hop là. Il faut que je me souvienne aussi que j'ai mis un reverse sur ma radio. Euh, on va voir ce que ça donne. Ça aussi. Hop là. Alors, maintenant qu'on a fait ça. N des, des branches. Ok. Ah ok d'accord. D'accord. Ok, alors là, du coup, il faut que, euh, il faut que je reverse des trucs. là. Euh, ça, c'est normal. Ça, c'est en reverse. Ok. 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 Là, on a l'air bon. Attention euh, avec le câble. On commence à rajouter des câbles dans les machins. C'est pas pour le faire, hein. <laughs> Merci Nightsense. T'inquiète. Si tu as des questions, n'hésite pas. Que ce soit moi ou la communauté te répondra. Hop. Alors, ah, c'est marrant. Ah, regardez. Là, je le bouge. Il se corrige en fait. Alors on va essayer et on va voir si c'est mieux. Ah c'est tellement mieux. Alors. Oh. Alors par contre, je crois que le, le gyro est très mal réglé. Euh, on va faire un truc, c'est qu'on va le faire sans le gyro déjà. Parce que j'ai l'impression... C'est un, un gyro. C'est un gyro merdique, hein. je, je vous le dis. Euh, C'est un gyro que j'ai eu à, à 3 francs 6 sous juste pour le tester sur des petits robots. Je ne pensais pas l'utiliser là. Euh, et L'autre gyro que j'ai est mieux, mais par contre à fixer, il est chiant. Donc on va l'enlever. Oui, il, 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 il a l'air de d'avoir de, 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 un peu trop de gain en fait. Alors, on ne voit pas bien la rotation des roues. Quand tu fais les tests, tu pourrais faire des points pour mettre des gommettes. Ah oui, je peux faire ça, oui. Mais par contre euh... ouais, ça va partir ça euh, des gommettes Fixé que si qu oui, je bouge j'y comprends pas bon par rapport au Oui il est il est il est fixé hein. euh... Tu parles du viro Il va laisser des lignes sur le pas Ouais ça craint plus rien. De toute façon euh, ça c'est le Lino de quand on l'a acheté, euh, on a acheté la, la maison et ma femme va le dégager. Donc euh, Ouais ouais le Giro il est fixé, hein, il est scotché, euh, il bouge pas. T'inquiète hein. pas. Bah oui parce que sinon... <laughs> T'imagines Ah bah non, le gyro il est pas fixé, mais il est comme ça. <laughs> ah, il y a un sens sur un gyro aussi. Toujours hein. faire attention à ça. Voilà. Bon alors là j'ai plus le gyro. On va ce que ça fait déjà, juste avec le mod la modification qu'on a faite euh, euh, tout à l'heure. Chiro est débranché. Ça commence à devenir un peu le bordel. Vous savez, ou même pour un, un petit truc simple, il y a quand même masse de câbles. Hein. Bien. Bah alors, ça dépend. Hein. Euh, ça dépend comment, euh, comment votre gyro est, est, est fait sur mon autre gyro il faut que je le mette euh, je le mettre comme ça en fait je le pose droit en fait donc ça dépend vraiment de votre gyro re reportez vous à la doc alors voilà Ah, ça va hein Ah c'est quand même bien, bien, bien violent. Hein. Euh... <laughs> ok, alors non. 50, c'est beaucoup trop. Ok, là ça marche beaucoup mieux, mais je, je sens qu'il y, y a un problème sur la rotation en fait. Euh, on sent qu'il y a, comment dire, comment expliquer ça C'est difficile, mais quand je tourne, je sens que je tourne mieux d'un côté que de l'autre. C'est exactement ce que j'avais en 2019 en fait. Euh, c'est vraiment très très bizarre. Bizarre. Question bien a priori sur le montage, j'ai pas l'air ou je me fourroie complètement Ah non, c'est vraiment pas complexe du tout. En fait, c'est très très simple. Il euh, n'y a, a vraiment pas grand-chose pour le coup. C'est vraiment très simple. Que ce soit violent au bout de course, car en mode combat, tu vas en avoir besoin. Oui. Quand même un chat. Ah, et mon chat, il est en haut là. <laughs> il se cache. Il faut modifier les courbes. Ouais. On a entendu les C'est vrai que vous n'entendez pas les moteurs, effectivement. Alors, les courbes. Euh, C'est là où on peut peut-être s'amuser. Euh... Mais bah en fait, elles sont déjà pas mal, euh, c'est hein? celle que j'utilise d'habitude. Là, par exemple, Ouais, ok, d'accord, regardez. Là, je tourne lentement. Et là, par contre, je tourne très très vite. Et pourtant, la commande, elle a la même, en fait. Donc, vous voyez qu'en fait, là, je suis en marche arrière sur les deux moteurs. Et là, je suis en marche avant sur les deux moteurs. En soi, c'est pas très grave. Ça marche, quoi. Mais c'est vrai que quand on veut être pressé, il y a un truc qui te passe, quoi, en fait. Voilà. Bon par contre sans poids le truc dérape à mort. Hein. Ah, le <laughs> Mais c'est pas mal hein. Mais c'est pas mal. Je suis assez surpris de la... la robustesse du truc. Ce qui fait qu'en fait on peut faire un petit robot vraiment avec pas grand chose quoi. Pour le coup. Mais le chat dessus, <laughs> nos gate commence à comprendre que pour nous c'est pas du bruit mais une douce musique. <laughs> on pourra dire à la voisine qu'elle s'est fait des idées, nous on a rien entendu. Bah non, non, peut-être qu'il faudrait que j'installe le noise gate sur ma voisine. Voilà, <laughs> c'est bizarre de dire ça. Bon, attention, ne doit pas tourner identiquement, car un moteur est plus vite que l'autre. Inversé... oui, j'ai inversé un moteur. Donc, non, j'ai je... oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il qui tourne pareil. Mais, euh, mais effectivement, euh, mais je me suis inversé, je me suis planté aussi hein, tout à l'heure quand j'ai expliqué. Donc c'est moins pire que ce que je pensais, c'est-à-dire que tu tournes quand même euh, au centre de euh, l'alignement des deux moteurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est juste que c'est un peu surprenant, euh, et c'est intraduisible là comme ça, mais c'est un peu surprenant quand tu fais des lacets, parce que tu as l'impression de te traîner en fait d'un côté. Euh, c'est imperceptible quasiment, mais, mais tu le ressens, je trouve. Un système pour calibrer la vitesse de rotation. Oh non, non, pas sur ce genre de choses là, non. Ah non, là t'es en mode <laughs> bon, fermé, t'as pas de capteur en fait hein, sur, euh, sur ce truc là. Par contre, je suis très content de la vitesse de rotation, de la vitesse d'avance en fait. Euh, C'était ça que je voulais savoir. Et, euh, et je suis assez content. Je vais essayer de modifier... Euh... Oui. Bon. On va essayer de monter un petit peu la vitesse d'avance. Euh... Il peut difficilement vous le montrer. Oh la vache Ah ouais, là, ça défonce, là. Euh... <laughs> ah, C'est toujours encore un peu surprenant de se dire que, d'un autre côté, je sais pas comment on pourrait... Peut-être qu'il peut qu y a des trucs à programmer comme ça où je pourrais lui demander de, de bloquer d'un côté. Euh... Comment on pourrait faire ça Corriger d'un côté et pas de l'autre. En fait, le problème c'est que ça, je vais essayer de vous le montrer. Euh, J'ai un truc... Enfin, c'est pas évident, vous voyez rien avec le... Voilà. J'ai un réglage des courbes, mais uniquement pour la voie 2, à savoir pour euh, cette voie-là, en fait. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir la même chose, en fait. Pour l'autre côté, et ça, je l'ai pas, et c'est un peu dommage. Peut-être quand la branchant, j'ai jamais branché celle-là, mais j'ai jamais vu de logiciel pour euh, ce truc-là, euh, donc il euh, faudrait que je le vois. Question moi, je suis dit, oh, a une carte contrôleur entre les essais. Là, euh, non, là, pas besoin pour le coup, effectivement. Je ne comprends pas quand tu as viré le giro. En fait, le giro était très mal réglé et, euh, et il faisait tourner un moteur très très rapidement. À un moment, en fait, je crois que c'est le gain. Donc, comme c'est un peu long à régler, je ne vais pas le faire là en live. C'est pas forcément très intéressant euh, tant que j'ai pas euh, compris comment le giro euh, fonctionnait. Parce que là, du coup, on va le faire un peu en, 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 fin, à l'arrache quoi. Euh, donc ça, on le fera peut-être dans un autre live quand j'aurai euh, l'ensemble, en fait. Euh, c'est quoi comme type de moteur Ce sont des moteurs de perceuse euh, récupérés euh, dans des perceuses On a démonté. Je t'invite à aller euh, sur la chaîne YouTube, on a fait euh, deux lives sur comment les modifier et euh, comment les adapter. Ça coûte 15 balles euh, et c'est ultra puissant. Le remer là, c'est ça. Il y, quand même une, il y a quand même une carte de mix, on est d'accord. Combien ça coûte juste ce, ce premier jet de robot Eh bien, euh, si tu comptes pas le... Attends. Et bien avec un robot ça fait de revenir vers c'est vraiment violence en termes de prix euh, chaque moteur je vous laisse faire les additions et tout ça chaque moteur 15 balles Alors, voilà sur, si vous achetez les perceuses toutes faites si jamais vous êtes en récup bah on a rien du tout là les pneus il euh, y en a pour euh, 9 balles chacun. Et tu peux les fabriquer. bon. Allez, 10 balles, 10 balles chaque, euh, chaque, chaque pneu. Euh, l'impression 3D, bon, bah, c'est de l'impression 3D, je ne la compte pas dedans. Voilà, même s'il faudrait la compter. Euh, les deux euh, ESC. Alors, un ESC, c'est des W1060. Je ne sais pas à combien ils sont aujourd'hui. Euh, on, va, on va regarder vite fait. 10, 60. Tu peux les trouver sur vraiment pas cher, euh, sur Banggood ou AliExpress, genre à 10 balles. Euh, mais souvent, ils sont plutôt... Ouais, c'est ça, entre 30 et 25 balles. Voilà. Euh, donc, chacun. Le v -tail, il doit te coûter euh, même pas un dollar chez AliExpress, donc tu t'en fous. Le gyro, à la limite, on peut s'en passer. La batterie, ça va dépendre de ce que tu prends, mais tu en as pour au moins 30 balles, je pense. Euh, le câblage, c'est pareil, c'est des petites merdes à côté, même si ça... C'est bien d'en avoir mais du coup je vais pas le compter dedans et alors par contre la radio commande et le, euh, le récepteur là c'est une radio commande qui est un peu enfin euh, c'est une bonne radio commande pour le coup moyenne gamme euh, je pense qu'elle devait être à, je, je crois que j'avais dû l'avoir à 60 euros c'est une fly sky fs i6 s euh, si jamais vous en voulez une moins chère, qui a pas l'écran tactile mais qui a des fonctionnalités très similaires prenez la fly sky fs -I6. Euh, I6, attendez, j'ai un doute. Fly Sky FS I6, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, la Fly Sky FS I6. I6. Attends, on va changer de... Je vais, je vais me mettre à côté, ça sera plus simple. Voilà. Qui est cette, cette radio-là qui va avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Euh, mais sans l'écran tactile mais qui fonctionne exactement pareil euh, là les prix aussi hein, euh, là mais euh, au final on est sur une quarantaine d'euros et vous voyez la la mienne là euh, donc, à la version blanche mais c'est exactement la même euh, on est sur une soixantaine d'euros si on se démerde bien quoi donc euh, en vrai euh, en vrai ça va euh, et puis ça peut vous voir servir dans plein de plein d'autres projets quoi et elle est bien la, la i6s je trouve pour le euh, une erreur de conception comme d'accord. Le... <laughs> Tu peux pas mettre des courbes pour chaque voix Non, pas sur celle-là, non. En tout cas, pas directement euh, sur l'interface. Peut-être en la branchant, ça je sais pas, j'ai jamais fait. Mais euh, pas sur celle-là en direct. Mais c'est bizarre, ouais. Parce que si c'est une manette de, de drone, c'est vrai que j'ai jamais cherché à aller voir ça, en fait. Mais non, non j'ai que le throttle curve, celle-là. Mais peut-être, hein. peut-être, j'ai peut-être pas tout. Euh... Je l'ai pas, je l'ai pas, euh, je l'ai pas, euh... je l'ai pas gratté à fond cette radio. En fait, peux... Ouais, mais je pense que c'est ça, c'est peut-être le mode en fait. Peut-être que si je me mets en mode drone, j'ai peut-être plus de trucs. Je vais l'éteindre. Ah oui, par contre, merde <laughs> C'est le robot qui est encore allumé, il n'y pas. Euh... Hop, on va débrancher. On va repasser côté atelier. Peut-être, hein. je, je dis pas. De toute façon, on aura peut-être pu le faire rouler. Donc je vais juste retourner. Voilà. Ah ouais, bah c'est pas si cher que ça en fait. Et après t'as tout le as tout le as tout le truc autour. Hein. J'ai pas fini mais. donnait les références de tes ESC, récepteurs, mixeurs et gyros. Euh, je... est-ce que je les donne? Bah euh, oui euh, le bah, les ESC là que j'utilise. Wp 1060 Le après là c'est une Flysky FS 6s pour la, la radio, euh, le récepteur, c'est celui qui était dedans directement. Le mixeur, alors là, vous tapez mixeur. Je sais pas, là, je l'aurais pas. Ça fait des années que je l'ai celui-là, euh, mais c'est un, un mixeur standard d'avion. Il euh, n'y a vraiment rien de, rien de particulier. Euh, et le et pareil, le gyro... Euh, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais acheté il y a super longtemps, que je ne le retrouverai pas. Et l'autre, c'est un gyro d'Hélico euh, qu'on m'a donné et qui n'existe même plus, qui a quasiment plus de 18 ans. Donc voilà. T'as en mode voiture, donc avec une voie avec courbe. C'est peut-être peut ça. Hein. Du coup, relativement peu cher. Ah oui, oui, non, grave. Ouais, c'est vraiment peu cher. Bah, par rapport aux autres robots qu'on fait, qui sont des robots autonomes, hein, je peux dire qu'ils sont vraiment, vraiment moins plus chers. Euh, modèle 1. Euh... un truc modèle je sais pas ce que c'est à mon avis je peux paramétrer plusieurs modèles remarqué j'ai peut-être la notice <laughs> euh, non j'ai non la notice n'est pas dans le dans ce, ce truc là total mode stick mode voilà donc là moi je suis en mode 1 stick adjust et bon là... Euh, C'est juste pour faire les... Les N, quoi. pas grand chose à faire. oui oh, il, il attend que je le fasse tous. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, je suis un peu... Euh, pas grand chose d'autre en fait. Hein. Avec une carte contrôleur drone qui a mis ça en vue des modes voiture. Ah, c'est possible. Et en fait, du coup, ça donne envie de fabriquer soi-même sa voiture. Mais bah, grave, grave. Bah ouais, ouais, ouais non, mais clairement. Hein. Bah euh... euh... Enfin, euh, faut regarder les lives de l'année dernière sur ma chaîne YouTube. Mais on a fabriqué des tout petits robots euh, de combat. Euh, mais des trucs euh, grands comme ça. Et, euh, et j'ai déjà montré euh, des, euh, des robots ronds que j'avais fait pour, euh, pour ma fille. Qui se pilote avec une radiocommande aussi que j'ai plus là. Euh, et où c'est juste des servomoteurs, et on peut faire des petits trucs rigolos avec ça. Franchement, ça marche bien. Hein. Ouais, les... Euh, je vois ce que tu veux dire, HumanDroid, j'aime pas trop ces manettes-là. J'ai essayé, hein, C'est euh, des, des manettes pistolets, là, euh, c'est vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas ouf. Non, mais du coup, je pense que je suis un peu, euh, je suis un peu bloqué euh, avec ça, et je suis pas sûr que je puisse mettre un logiciel pour faire autre chose. Mais même sur la ICI standard... Euh, je me souviens pas pouvoir mettre de courbes partout en fait, mais il faudrait que je regarde. Faudrait que je, regarde. Là, je, là, je suis un petit peu plus, euh, un peu plus sec là-dessus. Bref, écoutez, mes messieurs, je pense qu'on a bien avancé. Je vais l'éteindre. Hop, je vous laisse admirer encore ce magnifique euh, prototype <laughs> de robot. Euh, tu as le dernier firmware Je l'ai chargé il y a quand est-ce que j'ai chargé le firmware oh, Il y a un an maintenant, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est-à-dire que le firmware d'un an, il, il va pas, enfin celui de cette année, il va pas changer non plus les, les courbes. Enfin, j'y crois pas, tu vois, Genre, ils auraient rajouté d'un coup quatre courbes. C'est un modèle qui est très vieux cette manette là, donc. Ce serait étrange qu'il fasse des modifs à ce point-là. Mais peut-être, hein. Euh... Allez, attends, je vais essayer. Il euh... Euh... Je... faut que je regarde vraiment euh, toutes les fonctions. Le truc, c'est que... Oui, ouais, dans tout ce que je lis, il n'y a que le throttle curve qui est, qui est actif. Bon, dans tous les cas... Ce n'est pas très grave. En tout cas, ce pas le but euh, du live de ce soir. Si je me lance là-dedans, ça va être euh, sur mon drone. quand Un peu pour tout, mais c'est dans la carte de contrôleur de vol. Ah oui. ah oui, dans la carte de contrôleur de vol, ok. Ouais, là, tu peux, tu peux mettre ce que tu veux. C'est un, un peu son but à elle. Ce que je n'ai pas moi, du coup. Enfin, il y a le mixeur, mais lui, il le fait, euh, il le fait tout seul, quoi. Pour le coup. Euh, donc, euh, c'est un, un peu différent, quoi. Bref. Non, bah écoutez. Euh, moi, je suis très content. Ça marche. <laughs> euh, et euh, et c'est assez violent. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là violent. Ce sera à ce point-là violent. Du coup. Ça veut dire que bientôt là, euh, on va pouvoir, euh, comment dire, euh, commencer à souder euh, le châssis, là, parce qu'en en fait c'est bon, il est fini le robot là. Il faut faire le châssis, là, comme ce qu'on a vu euh, sous fricade. Euh, J'ai remis le PC là pour vous montrer, mais euh... ah fricade qui plante, non Ah non c'est bon. Euh, hop, je vais masquer ça. Voilà. Du coup, ça veut dire que ah, tiens, voilà, la plaque interne, la plaque qu'on a là, elle est un peu plus petite que la plaque interne que j'avais prévu. C'est intéressant ça. Ça me permis de valider ça aussi. Du coup, euh, le châssis, euh, on a les tubes, euh, on a ce qu'il faut pour le pour le souder. Euh, donc euh, ça, c'est nickel. Donc ça, je pense qu'on avait prévu de le faire avec un avec un des copains avec qui je bosse dessus. Euh, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après mais vu qu'il y a une possibilité de confinement de bordel et tout ça j'ai peur qu'on puisse pas le faire mais sinon c'est pas grave tant pis je le ferai tout seul euh... bref voilà et puis après faudra le cartériser mais en soi euh, en soi ça, ça va faire un petit robot rigolo un peu fouteur de merde <laughs> Et c'est un peu ce qu'on veut euh, avec ce modèle-là. Est-ce qu'on l'utilisera à la Maker Fight Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on utilisera le gros qu'on avait fait l'année dernière. Mais ça peut être rigolo comme robot de secours ou comme robot pour une autre équipe ou j'en sais rien. Ou, ou pour juste s'entraîner, en fait, tout simplement. Euh, ça pourrait être relativement, euh, relativement efficace. Donc en fait, euh, on, est, on, est plutôt, on est plutôt pas mal. Hein. Dimanche prochain, live sur so Dirt. Alors, je ne pas au Tig, j'ai pas de poste Tig déjà. Euh, si je saute, ce, euh, ce sera à la baguette. Comme ce que j'avais déjà fait en fait. je regardais les battle, je n'imagine pas comment il fonctionne encore après un vol planète en mètres de Tu imagines en plus que ces, ces bestioles-là, euh, Flew, euh, on est sur du 110 kg hein, quand même. Hein. Et alors, si tu regardes la saison, la, la saison 2020, la, la dernière, là. Psss, c'est une grosse saison, hein. ça fait longtemps que j'avais pas vu des aussi beaux matchs. Et, euh, et effectivement, comme tu dis, moi non plus, je, je n'ose pas imaginer quand tu, le truc retourne de 3 mètres, 110 kilos, 3 mètres, blam. Puis derrière, il roule encore. Alors là, euh, félicitations. Pas tous, hein, Pas tous hein, pour la coup. Et ça existe pas des quatre conteneurs pour voiture Je ne sais pas, tiens. <laughs> effectivement. Non, mais c'est cool, c'est très très cool. Bah écoutez, euh... attendez, je me suis trompé de. Non, c'est bon. Euh... Moi, ça me va. Moi, ça... Moi a... on a réussi, on a fini. On a fini euh, l'objectif le... de ce soir et c'est vraiment euh, vraiment chouette. Euh... Ça veut surtout dire qu'en fait, juste avec deux moteurs directs avec les roues, on a quand même un résultat qui est hyper intéressant. Euh... Moi, je pense à un truc c'est que pour des robots qui voudraient avoir quatre roues motrices, euh, et bien du coup le, le, ça fonctionne aussi hein, ce, ce truc là euh, et, euh, et ça pourrait être vraiment vraiment très 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 puissant euh, et relativement solide euh, mécaniquement reste à tester ça euh, en, en match euh, là pour l'instant on peut pas dire que j'ai un retour particulier euh, donc ça sera intéressant si on vraiment on peut lui faire faire quelques matchs euh, cette année si jamais c'est maintenu aussi toujours un peu le problème enfin bon bref on va croiser les doigts euh, dans tous les cas moi euh, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Euh, Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez vu euh, des lives en ce moment sur, euh, sur Twitch qui pourraient être intéressants pour la suite de la soirée euh, Il y a toujours y penser. Ah euh... oh, bah attendez Il y a Libero qui est en live. Qu'est-ce qu'il fait Continue la préparation. Hacking, Box, et fun. C'est très bien ça. C'est très très bien. Impeccable. Impeccable, impeccable. Euh, hop. Hop. Nickel je vais vous laisser avec Libéro euh, qui fait un peu de hacking, euh, un peu de, de, de programmation, là. je ne sais pas trop ce qu'il fait euh, ça a l'air assez rigolo euh, merci beaucoup d'avoir suivi, euh, suivi ce live c'était assez fun, ça faisait euh, longtemps que j'avais envie euh, de, de refaire un petit robot de combat et de le, et de le refaire fonctionner c'est vraiment cool, euh, la semaine prochaine live à 22h comme d'habitude normalement, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sur euh, Twitter principalement parce que c'est là où je vais donner les informations sur Discord euh, également parce que c'est là où il va y avoir des informations. Il y a une possibilité que euh, la, les, les dates et les heures de live changent dans les semaines qui viennent euh, pour plein de raisons. Donc euh, restez, euh, restez connectés euh, et euh, regardez un petit peu ce qui se passe. Euh, il y a la chaîne YouTube, euh, la VOD elle sera dispo euh, dès demain. Euh, et puis, puis moi je vous laisse avec Libéro et je vous dis bonne semaine, merci beaucoup et puis, euh, et puis à la prochaine. Salut à vous